Bonjour à tous, moi c'est Epic et bienvenue dans les fantastiques aventures de Billy du Pyro-Barbare dans le papyrus désir refoulé. Je suis avec le magnifique, le fantastique, le suba... Le subalachi. Ah ouais, subalachi. Pepe Sama. Ah, ça va. Watashi wa Bob des. Comment tu vas, Bob? Eh ben, tout va très bien. Nous sommes dans la même session, la même journée d'enregistrement par rapport à l'épisode précédent. Donc, aucune raison que ça change. Prestidigitation, falsification, YouTube. J'ai honté, bref, bienvenue sur la mafia YouTube. Et je t'en prie, présente-moi. Le gars, il prend, il détruit ton YouTube. Non, mais je détruis pas. Ça vient, ça en d'autres. Je touille. Voilà, il faut touiller, c'est important. C'est encore pire. La touillance, c'est important. Et je suis avec Billy. Bonjour, Billy. Hi. Comment ça va? Non mais pourquoi tu me parles en anglais? Le gars il parle portugais. Il est fait en jap, hein, il a le droit. Hein, c'est... Ouais, c'est pas faux. Du coup, moi je reprends en tchèque, pas de problème. Ouais. on a remplacé une petite personne pour ceux qui sont sur Twitch. Vous vous êtes peut-être rendu compte que Poil de cul a disparu. Hein, et nous avons fait entrer ABB. Bonjour ABB. Merci beaucoup. Bienvenue à vous tous sur Twitch. Merci beaucoup. Il est magnifique. Et bonjour Saras. Bonjour. Toi, t'es toujours en vie? Oui. Bon, ça m'étonne. Oui. On verra. On va rester, s'il vous plaît, mais je compte sur vous pour m'aider. Ah, toujours, là, j'ai aidé une fois, on va la raider une autre fois. Responsabilité individuelle. Débrouillez-vous. Ouais. Alors, avant qu'on reparte et que ça parle mal, faut que je fasse mon petit speech, hein, c'est connu. Donc, là, la deuxième pause arrive, donc on fera gagner ces magnifiques dés que Bob avait et que oui, vous avez déjà montré. Et que je remonte et que voilà, c'est incroyable. Aussi boule à neige. Oui. Offert par Lily Arsenal, donc c'est vachement stylé. Si jamais, ils sont ultra stylés. Moi, je vais m'en prendre un set. Hein. On dirait qu'il y a de la magie dedans. T'sais. Ouais, bah tu les secoues, c'est un petit peu comme des boules de neige, tu sais. Ouais. C'est assez stylé, voilà, je dis ça. En plus, je crois, sur le lien du live, il y a une sorte de mot de passe que vous pouvez utiliser sur D&D Arsenal qui vous fait un rabais de 10%. Donc c'est stylé, je dis, voilà. Ah, un rabais de 10%? Ouais, rabais de 10%. Ils ont raté leur coup. Si moi j'étais eux, je ferais en sorte que tu puisses faire un jet de dé pour ton rabais. Il y a beaucoup de gens que je connais qui font ça. Tu fais un D20 et en fait t'as entre 1 et 20% de rabais, si tu veux. Ouais, c'est pas mal. Ou un D100 si t'aimes le risque, mais là ta boîte elle coule vite. Bah, tu fais plus beaucoup de profit. Toi, quoi. Tu ferais pas ça. Hein. Ce serait marrant. Oh, moi j'aime pas l'indécence. Oh là là, c'est beau, il a raison. Ah bah, je suis un prince. Et du coup, alors ça c'est un autre truc, je m'y attendais pas, mais c'est juste pour dire qu'il y a nos followers qui sont en train de grimper en flèche. Ouais. Et puis on avait dit que dans le studio, si vous, on attendait les 1500 abonnés, sur Twitter, on allait faire gagner ce grand dragon de nouveau de D&D Arsenal. Stonks les enfants, voilà, sur Twitter. Sur Twitch. Twitter. Sur Twitter. Sur Twitter. C'est important. Oui, 1500 follow sur Twitch, hein, qui fait que vous pouvez gagner sur Twitter. Ah, attends, j'ai reçu. 1500 follow. Enfin, c'est pas follow. La même chose que 1500 abonnés sur Twitch, oui. Et c'est pas la même chose que 1500 followers Twitter. Alors, le jour où vous aurez 1500 abonnés, écoute, je ferai plus que ça. C'est ça. Mais on sait jamais, on verra bien. Donc, c'est juste pour dire, si jamais vous êtes intéressé par cette magnifique pièce, elle est sublime. Voilà. Un dragon rouge adulte. Un dragon rouge adulte. Oui, c'est bon, il a dit avant. Regarde. Ah oui, voilà. Voilà. Ouais. Voilà, c'est beau. Il est comme ça. C'est un dragon. Il est imbloquable. Maintenant, je vais faire gros comme ça, ça va être super. Voilà. Et du coup, les gens doivent faire quoi pour le gagner? Très bonne question. Régis. Régis? Ouais. Follow. Ah. Donc c'est sur Twitter en fait, il y aura un concours que vous pourrez rejoindre. Bien. Bon, dans le doute, suivez sur Twitter et Twitch, voilà, vous pouvez suivez les deux. Comme et ça, puis le concours sûr. Sera lancé, vous cliquez sur le lien, bouc bouc bouc, et à la fin vous repartez voilà. Avec un dragon taille réelle. Je peux te mettre le couteau sur la gorge aussi hein. Ah vas-y. Vas-y. Puis, qui sait, hein, s'il y a même plus, peut-être que j'arriverai à reconvaincre Bob de les revenir. Instructions n'étaient pas claires, c'est ma faute. Hein. Notre régisseur. Voilà, c'est ma faute. Il le vit bien. Ah, bravo. Il retourne au donjon. Franchement, vu la taille de la régie, je veux bien... On t'excuse. Ensuite, comme d'habitude, Loïc, viens nous faire des bisous. C'est important vite, quand même. Vite, viens te faire payer en visibilité. Voilà, c'est ça, regardez. Il est beau, il est incroyable. C'est celui qui est en train de nous faire des illustrations que vous avez pu voir, qui était qualitatif. Est-ce qu'en Régis, vous pouvez nous remettre les illustrations qu'il a fait pour le live précédent, parce que je trouve ça quand même pas mal. Ouais, carrément. Fait les bons trucs, c'est pour ça. Vas-y, continue ta présentation. Voilà. Et puis, merci à Michael Gelfi Studio, parce que normalement, nous, alors, voilà, on entend des codales, malheureusement, mais vous avez des magnifiques musiques ambiance pour D&D, Donjons et Dragons,
En fait, tous les jeux de rôle que vous faites, allez regarder, franchement, sa chaîne YouTube, il a plus de 100 000 abonnés maintenant, je crois, et c'est vraiment, mais c'est qualitatif. Quoi. Le mec fait du beatbox de ouf, t'es là, et là, tu rentres dans, et tu vois un prêtre. Tu sais, c'est la disco. C'est impeccable. Voilà, donc merci à D&D Arsenal aussi pour, évidemment, ce qu'ils nous ont gracieusement offert. N'est-ce pas, Bob, avec ton nouveau dé? Ça vient de D&D Arsenal? Non, c'est vrai. c'est l'aventure, Bob. Non, mais c'est surtout pour les modèles 2D, les trucs comme ça, qui sont assez qualitatifs, il faut le dire, donc n'hésitez pas. C'est toujours chouette d'avoir tes propres dés, tu vois. Moi, j'aime beaucoup ces dés-là, comme ça, tu vois, genre, un peu squelettique et tout. C'est dégueulasse. C'est vrai que c'est une question de goût. C'est une question de goût. Alors, on va changer les règles. Du coup, les goûts et les couleurs. Petite explication de règles. Hein, ça se gèle sur un décent. Bob, il jette 3 décents. Et puis, s'il fait en dessous de sa stat, maintenant, il rate. Il réussit. Il réussit. Voilà, non, mais 3 dessins. On va changer un peu les règles. C'est pas assez marrant pour toi. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, gros. Oui, ok. Ça diminue par toi. Par 60%. Tous mes chances de réussir. Allez, let's go. Mais le principe est simple. Nous avons une stat de physique, de mental et de social. Et lorsqu'on doit faire un G, on lance un BD de 100 ou un BD de 10 pour savoir combien on arrive à ça. Voilà. Et putain, j'ai fait 0. Ouais, ça fait 100. Oui, voilà. Ça fait 100. Ouais. C'est le pire échec possible. Et il suffit de faire un score inférieur à sa fiche de personnage pour réussir. Si jamais on fait un score égal à sa fiche de personnage, c'est un succès critique. Si c'est au-dessus, c'est un échec. Et voilà. Si vous faites le score pile, c'est une James Bond. C'est-à-dire que c'est un récit critique, mais incroyable. Je veux dire, décrit dans les plus grandes lignes. Ça prend tout le reste du live. C'est ça. Il y a des confettis qui sont branchés au plafond. Enfin, tu sais, il y a tout. Tu sais, il y a des petits éclairs. C'est ça. On vient, on saute. Tu sais, t'as les speedlines comme dans les animés à la Naruto qui s'activent. La boule disco qui descend. T'as les trompettistes qui rentrent. T'as une barre de pole dance automatiquement. Enfin, voilà, il y a tout. Donc jamais on va commencer ça, la suite de nos aventures. En plus, le plus possible dans tout ce qu'on a dit, c'est la barre de pole dance qui descend du plafond. Oui, parce que c'est plus qu'en haut, ouais. Mais on note où sont les intérêts de Bob. Ok, donc... Dans la disco. Ça, c'est pour les règles. C'est bon. Donjon dessus. C'est bon. Ouais, le donjon, les bars, ouais. Donjon, disco, ouais. On va faire un petit résumé juste avant de où on en était. Même si ça intéresse que nos viewers, pardon. Allons-y. Donc... le Pyro Barbare et Billy sortaient de l'Enonia, sont passés par Nouvelle Azur, ont fait 6 mois de break, on va dire, plus ou moins. Puis ils sont partis en direction de Stia pour des raisons du deuxième tome. Allez l'acheter quand il sera sorti, hein, voilà, c'est vite vu. Et nous, on est un peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire que sur le chemin, ils sont tombés sur Saras, qui était... En détresse, une ancienne esclave en détresse qui était entourée par 3 scorpions. On les a démolestés. C'était ça. Les scorpions, là, ils sont là, sur la chaise de psy, et ils sont là, montre sur la peluche, parce que le pyro barbare t'a touché. Voilà, c'est ça. J'ai fait le stade. Mais ils se sont fait, déglingax. Non, mais alors, les PNJ, ils sont pas prêts. Elle est là parce qu'elle est mauvaise à 3v1, elle s'est fait toucher 2 fois, si tu veux, bon c'est pas grave. Mais ils sont grands hein, quand même. Puis ensuite, on est parti vers le sud, désert, et on est tombé sur un orque qui habitait dans ce désert et qui a accepté de nous guider à une grotte mystérieuse dans laquelle se trouve un papyrus, le fameux papyrus des îles refoulées. Hashtag TM, hashtag je te volerai. Mais quoi que tu fais, c'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. Et du coup, on se retrouve à l'entrée de cette caverne après avoir survécu à une tempête de sable terrible. Donc toi, tu pisses le sang par de nombreux trous dans ton corps. Hein. Genre, c'est des petits saignements, hein, mais ça vient retenu. Ça va quoi. Ça passe. Voilà. Il y avait Poil de cul avec vous. Ça donne de la couleur. Là. Mais alors que vous entrez à peine dans la grotte, Poil de cul, il fait demi-tour. Il a vu une balette passer. Et très rapidement, il vous explique, parce que bon, on l'a sorti vite fait, le pauvre, il est sous 27 couches d'habits, il est en train de mourir. Et il vous explique très rapidement que lui, il n'entre pas là. Parce que les bolettes, elles s'enfilent dans ses habits, c'est horrible. Ça. Genre, ça le démange. Et il va dire qu'il va partir en descendant la dune et en roulant. Et je vais lui proposer, en tant que bébé, tu veux de l'élan? Vous voyez l'équivalent d'un boulet de canon, il monte la dune d'après. C'est ça, il donne assez d'inertie. C'est pour aller plus loin. C'est comme dans une vidéo, tu dois appuyer pour descendre plus vite dans la cour. C'est voilà. Bon ça. Vraiment, c'est la meilleure technique que j'ai apprise aujourd'hui. Ouais, la roulade. La roulade, c'est bien. Alors que vous êtes entré dans cette grotte, vous êtes dans une sorte de gift shop. Il y a un peu de tout, des porte-clés en forme de bolettes des sables, des posters en forme de bolettes des sables, des sculptures en forme de bolettes des sables, et un marchand assez atypique. Alors un marchand non. Est-ce que c'est une bolette des sables? Non.
Ah, pas vraiment, non. Il n'y a pas de poil, tu vois. Laisse-moi ma déception, Billy. Oui. Voilà. Et du coup, vous arrivez devant ce pauvre marchand. Eh, bienvenue, mon frère. Bien, 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 bien. Bienvenue à la grotte des Abalides des Sables. Là, je regarde Billy, je regarde Sarah, je me dis, qu'est-ce que je peux en faire? C'est quoi ça? Je bienvenue. Sais pas, un marchand. Habibi. Bonjour, Habibi, c'est ouais. Mon nom. Fils d'Azizi. Aucun rapport. Ok, ouais, Bibi, d'accord. Okay. Mon frère, bonjour, c'est Alili. Mais ne parle pas de mon frère. Habibi, fils d'Azizi, qu'est-ce que tu mens? Ouais, un petit peu de tout. Et tu peux voir ici, les gens, ils appellent ça la grotte de Désiré. Moi, j'appelle ça la grotte de la Bilette des Sables. C'est beaucoup mieux, ça attire le touriste, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est tu vrai. Peux trouver n'importe quoi. C'est vrai que c'est plus vendeur. Tu peux trouver des boules de sable. Tu secoues comme ça, puis tu vois une billette dedans avec du sable. Non, là, ça marche pas, parce que c'est du sable. Moi, c'est magique. C'est joli, mais... C'est pas terrible. Ouais, autrement, j'ai les porte-clés billettes. Des jolies porte-clés, comme ça. Regarde, tu peux y mettre tes clés dessus, tu les perds jamais. Ah ouais? J'ai des t-shirts aussi aux billettes. Attends, je peux montrer un t-shirt. Montre les t-shirts. Je peux montrer un t-shirt. Regarde comme il est beau, le t-shirt. Ouais, t'as une belette qui fait un slip thumbs up, c'est genre, I like the grotte de la Baleine des Sables. Est-ce qu'il a des pantoufles, belette? Bonne idée, bonne idée. Moi, je veux bien te prendre l'idée, je te donne 10%. Je vais noter, Attends, attends. Oui, 25%. 15. Pour demander 25%. 15 avec l'idée gratuit, à vie. Demande-lui 25% jusqu'à ce qu'il comprenne. 25%, il ne voudra pas plus bas. 20% avec l'idée et les loukoums. T'as bien les loukoums? C'est bon, les loukoums. Petite pâte de fruits comme ça, c'est très très bon avec du sucre. Les gens, ils adorent. Oh, ça nique un peu les dents. Allez, j'accepte. j'ai aussi des posters Paulette, des posters Paulette, Billette, poster Billette. Billette. C'est pas terrible. Hein. Regarde l'artiste, il était un petit peu... je suis pas sûr autrement. Ils sont trop larges pour être accrochés sur Billy. Pour ton ami barbare, j'ai aussi des slips Paulette. Oh. Ça. Ouais, alors les slips. Et là, je touche. C'est doux. C'est très très doux, c'est fait en poil de chameau. Donc non, c'est des animaux de fumeau, c'est des fumeaux. En poil de fumeau. Très très intéressant, avec la tête de Bolette devant. Après, il y a quelque chose de bizarre dans ton slip, non? Ah, il y a beaucoup de choses dedans. C'est parce que j'ai fait des roulades, c'est surtout du sable. Moi, contre un slip en peau de Bolette, je propose l'épée de Virilus. C'est pas vrai. C'est très très beau couteau, très très beau couteau. Ouais, c'est un couteau, c'est une épée. J'ai aussi des presse-papiers Bolette. J'ai aussi une carte de la grite, de la grotte, de la Billette. Oui, on prend ça. Ça c'est bien. Il nous dit que contre l'épée, on peut avoir un slip Bolette ainsi qu'un truc en plus. Plusieurs trucs en plus. Oui, ça on peut négocier. Mais le slip Bolette. Oui. Parfait. J'ai aussi des sous-tasses Bolette, mais avec la tasse c'est plus cher. Non, mais juste la carte, c'est bien. Et le slip, je crois. Alors, la carte, elle n'est pas vraiment complète. Hein, parce que c'est quand même moi qui l'ai dessinée avec mes petites mains. Et puis, c'est quand même à ce qui paraît. Il y a des gens qui disent que c'est un peu dangereux, là. C'est dangereux. Parce moi, personnellement, j'y vais pas souvent, mais... Mais t'es allé jusqu'à où, dans les grottes? Jusqu'à la carte, quoi. Jusqu'à la carte, pas plus loin. Je peux voir? Non. D'abord, tu la prends. Mais il y a quelque chose dedans. Bien sûr qu'il y a quelque chose dedans. Toi, je te montre. Parce que toi, t'as l'air d'être une princesse. Ouais, alors, je te montre un petit peu comment. Regarde, une petite carte que je fais. Il y a plein d'infos. Je pense que ça pourrait être utile de l'avoir. Tu crois qu'elle sait lire ou elle fait semblant? On a vu qu'elle savait et qu'elle faisait. Ah. Alors, la carte. Eh bien, marché conclu. Ping, et je lui file l'épée par la poignée. Oh. Ouais. Merci beaucoup. Alors, magnifique couteau à merguez. Juste Habibi, ça marche. Il vient de te donner un objet presque légendaire. Magnifique couteau à merguez, et ça marche aussi avec les pattes de scorpion. Oui, testé, approuvé. Les gros scorpions qu'on voit dans le désert, là. J'en vois jamais, moi je reste ici d'habitude. Ils sont dangereux quand même. Ce qui est pareil, ils font du venin, non? Oui. Ça se mange difficilement. Vous avez chitine, c'est mieux. Vous avez tué un de ces scorpions? Non, trois. Non, attends, et oh, quatre. 4. Ouais, il y en avait 4. Non. Mais tu sais plus compter. Non, ça c'est possible. Non, on a tué 3 scorpions et on en a buté 4 devant la tour des mages. Ah oui, c'est vrai. C'était il y a 6 mois, respecte-moi. Il y a des gens qui disent qu'ils ont du venin à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Je veux bien un peu de venin de scorpion aussi. On va parier.
Alors moi j'en ai dans le corps, mais ça va être difficile à extraire. Ouais. Non, bah t'as pris l'antivenin. Ah, bah, j'en ai plus. On a deux, trois techniques, mais ça va pas vous plaire, non ? Qu'on soit bien d'accord, ouais, hein. Vous êtes parti de chez Poil de cul avec rien. Bah, limite la plaque de chitine, tu vois, mais genre le venin, l'antivenin, vous êtes passé complètement à côté. Mais il a un bout de caca, non ? Oui. L'épée de virus, c'est d'accord, mais le bout de caca, non. C'est mon mien. Ok. On sait jamais, hein, mais ouais. Donc, les goûts et les couleurs, on part. Oh, j'ai les sous-tasses, comme je disais aussi. Moi, j'ai des épices, si jamais. T'as des épices. Ouais. Mmh, hein, on peut mettre ça dans la balance. Alors, l'épée de Rivilus. Et puis quelques épices. Je vous donne le presse-papier, ça c'est cadeau, ça fait et plaisir. La carte. Ah, merci. Je prends le presse-papier parce que c'est toujours un projectile. Très très lourd. Et tu peux voir à l'intérieur quand tu regardes au soleil comme ça, tu vois une petite bolette qui a été gravée à l'intérieur. Oh. Bon, là, il n'y a pas de soleil, tu vois pas, mais. Et comme ça, tu peux tuer tes adversaires et les soumettre à l'art dans leur terrain. Alors, si on fait ce que tu veux sur cette carte. Voilà, les épices. Oh, des épices. Ouais. Merci, princesse. Regardez, merci beaucoup pour les épices. Il ne saura juste pas la lire. Est-ce que, cher Régis, vous pourriez afficher la carte si vous l'avez, enfin j'espère. La carte. Peut-être la carte intégrale, parce qu'eux, ils n'ont pas la carte intégrale. C'est la carte physique. Ah. Oh là là, stylé. Ça va arriver, super. Minutes, hein, voilà. Et du coup, passe-moi le presse-papier. Transfert. Transfert gentil. Les presse-papier billet. T'as vraiment le machin qui nous en... Il y a un moment où je vais dire que t'en fous le machin qui est énorme. T'as vraiment la pierre comme ça qui est tout en bas. Peut-être un plus 3 en social maintenant parce que genre... le paquet dans un slip 9, plus 4 en 4. Social. Je suppose qu'on part de là. Oui, vous arrivez dans l'escalier plus looping. Peut-être que sur... Billy, c'est ton nom. Billy, pas comme Bellette, Billy. Billy, c'est ce que j'ai dit, oui. Billy. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce crotte? On a trouvé... C'est vrai ça, qu'est-ce qu'on fout là? On trouve un papyrus. On doit trouver le papyrus. Papyrus, il y en a qui poussent juste là-bas, hein, c'est pas un problème. Non, mais c'est un papyrus avec un texte dessus. Ouais. Et on doit le... Ça pousse le... Ah, moi je dois le récupérer pour le donner à un méchant bandit. Oui. Putain, je comprends plus rien. Sinon il tue ma famille. Et eux, ils m'ont sauvé et ils vont m'aider à récupérer le papyrus. Ouais, j'ai entendu il y a longtemps qu'il y avait peut-être un objet, un artefact magique très puissant, légendaire. Légendaire. Ah oui, qui serait dans cette boîte. J'ai pas assez de courage pour aller chercher ça. Mais toi, t'es souvent là, hein? Ah, moi, tous les jours. Tous les jours. T'as vu des gens? De 8h du matin à 8h le soir, je suis là tous les jours. T'as vu d'autres personnes? Ouais, je vois beaucoup de gens rentrer, ouais. Mais ils sortent pas. Je vois beaucoup de gens rentrer, ouais. Est-ce que t'entends quelque chose? Écris la toi, quelque chose. Mais toi, t'es sorti, du coup. T'es quand même allé dedans. Ah, moi, je suis jamais allé trop profond, moi. Je suis allé aussi profondément que la carte l'indique. Parce que j'ai pas les blocs, le gouffre de la foi, la porte de l'énigme et la salle des sculptures. Puis y a quoi c'est dedans? C'est quoi la salle au milieu, là? Ah, alors, il y a du sable et des bolettes. Des bolettes? Ah, des billettes, ouais. Il y a des billettes et du sable. D'où la grande billette des sables. J'avais pensé l'appeler Abibi et les 40 bolettes. Bah, je me suis dit. C'est pas mal. Oh, c'est dommage. Mais c'est pas mal. Ça aurait été pas mal. Et t'arrives à nous décrire un peu les salles? Parce que je vois juste les noms pour l'instant. Mais... Ouh, alors écoute, c'est très très noir. Je me baladais avec une torche. Ouais. Je peux vous échanger des torches si vous avez besoin de torches. Ah ouais, ça c'est moi, bien. Moi j'y voyais pas grand chose. Ouais, des torches, c'est bien ça. Puis au pire, on peut les lancer sur les méchants. Alors là, je vais regarder Billy, je vais regarder Saras, je vais regarder les marchands, je vais sortir la hache, mettre une goutte dessus. et automatiquement, c'est une torche là. Voilà. Mais si vous en voulez une, on peut en prendre aussi. Hein. Non, c'est bien, c'est moi, j'en veux bien une, ouais. Il est utile le mec en slip là. Ouais, il est très utile. Il est très versatile. Avec le slip belette. Mais ça, c'est grâce à mon porte. C'est grâce à mon presse-papier belette, ça. Écoute, je vais te donner encore un poster belette parce que tu vas faire de la pub pour moi. Alors tiens. Est-ce qu'il est suffisamment petit pour que je puisse le mettre sur le torse et le coller comme ça? Ouais, je pense, ouais. Juste avec la sueur. Ouais, ça colle avec le sable. Voilà, tu vas faire l'homme kebab pour moi, c'est parfait. Mais là, est-ce qu'on peut avoir un dessin? Le poster belette, la hache en flamme, le slip belette avec une tête de belette dessus, couille pleine et éventuellement une casquette belette avec les deux emplacements à bière dessus. Deux emplacements à eau parce que du coup, il fait soif dans à son bière. Endroit. J'ai un ancien casque avec ça. Laisse-moi regarder. Et bien évidemment, tout est en forme de tête de furet. Bien sûr, tout autour de toi. Regarde, ici, c'est un hymne à la belette. Pourquoi la belette?
Parce qu'il y en a plein partout. Là, là j'en pousse. Dans le shooting, il y en a une petite. Il y a beaucoup d'ébilates ici. Il y a un mid-belette dans la caverne ou bah, disons que je partage cet endroit avec elle depuis le début. Là, elles m'ont laissé un petit peu de place. Voilà, parfait. Je... C'est elle marrant jamais, ça, tu leur tiens le coup un peu fort, ils bougent plus. T'as vraiment une belette. Complètement traumatisée. Tu vois un tas de cadavres à côté du bébé. Tu sais, il prend, il commence à récupérer les poses. C'est marrant, c'est comme mon jouet quand j'étais petit. C'est ça. Il bouge, mais que pendant 24 heures. Mais ça marche pas. Ouais. Moi, bon. Je te prends une torche, s'il te plaît. Attends. Moi, je fais pas crédit, là. Je sais pas qui t'es, je sais pas ce que tu veux faire dans la vie, je connais pas tes parents. Qu'est-ce que tu donnes pour une torche? Je sais pas, tu veux quoi? Ah, mais je sais pas, qu'est-ce que tu as proposé Billy, donne des trucs pour la dame. Tu vas le secouer. Oh bah tiens, prends ce qui tombe. Attends, j'ai de la chair de scorpion. Lâche le bouclier. Voilà, très bien. Prends la chair de scorpion. Avec ma chicha et les billets, ouais, ça va être nickel. Très bien. Et en plus, il y a un bon goût. Vous verrez. Donne la chair de scorpion. C'est vrai que c'est bon. Hein. Je ne m'oppose pas à ce qui donne. Avec les petites épices, là, c'est... Si j'avais fait ça, c'est en plus. Oui, évidemment. Oui, c'est en plus que le nourrisson de base. Oui, ça. Ok, merci beaucoup. Alors, on disait façon, la carte avec, contre l'épée avec un presse-papier billette, un poster en cadeau parce que, avec le cœur, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Le slip billette aussi. Le slip billette, bien sûr. Voilà. Plus billette, important, la perfection. T'échangerais ces épices quoi, tu vois, on fait un slogan. Tu te balades, donc tu t'annotes, t'as ça écrit. La carte, elle est donnée déjà. La carte, elle est partie. T'as raté ta chance, princesse, désolé. Mais on fait ces épices. On partage, ouais. Mais merci. Merci à vous. Voilà, donc pour les viewers, normalement, en dessous de moi, vous allez voir la carte en intégrale, parce qu'eux, ils n'ont qu'un morceau, parce que Habibi, il n'est pas allé au fond. Mais ils ont obtenu la carte. Et sinon, la belette, ça se bouffe? Écoute, je préfère le mouton. C'est parfait, la conclusion est fantastique. Sois d'accord, c'est des belettes de taille belette. Ouais. C'est pas des belettes de 3 mètres. Il n'y a pas grand-chose à belette. Bouffer dessus. Ouais, c'est des oreillers, les trucs. Il n'y a pas grand-chose à bouffer, okay. Je dois dire. Okay. Donc, alors que vous êtes en train de faire un peu votre shopping, tu tournes un peu, tu regardes les porte-clés et tout. Ouais, je suis comme un mec de Amsterdam devant un gift shop. Ouais, c'est exactement ça. Attention, le barbare, hein, comme disait mon papa, laisse pas un chameau dans un magasin de tagine. Alors fais attention, je vois que tu es balèze, hein, puis attention avec tes épaules. Parce que là, regarde, il y a une tagine belette. Là, il y a l'épice bolette. Juste ici, il y a des porte-clés bolette. Juste fais attention. Parce que je vois cette espèce de monstre barbare. Tu commences à frotter un dans le magasin de porcelaine. Ça. Et là, je repose la belette en vie que j'étais en train d'étrangler comme ça, tout doucement, et je reste sage. Tu frottes un peu le mur pour t'approcher du trou, en fait, pour aller au fond de la grotte. Je sais, tu frottes un petit peu pour éviter de faire tout tomber. Hein. Mais du coup, dirigeons-nous au fond, du coup. Où ça se trouve? Alors, du coup, on va devoir passer par l'escalier looping. En roulant? Peut-être que la roulette serait utile, oui. Ouais. L'escalier looping, ouais. Attention, tu fais ça? Non, donc, non alors, on va. Vous avancez dans la grotte? On va analyser. Ouais. On y va, ouais. Okay. Donc vous entrez dans la grotte. Je vous souhaite une bonne aventure, mes amis. Et comme cadeau, petit cadeau, parce que vous êtes mes amis, les meilleurs amis. Je vous donne cette bouteille. Là, je vous file une bouteille pleine d'ornements dessus, avec plein de poussière dégueulasse. Je crois que ça doit être une potion de soin, mais elle est un peu bouchonnée, mais elle va passer. Tiens, princesse, c'est pour toi. Merci. Tiens, princesse, c'est pour toi. Fais attention avec ces deux loustiques. Je ferai attention. Attention. Incroyable, ce marchand. Non, mais... Je me mets à la ceinture. Désolé, gamine. Hein. On aurait eu une tétine, t'aurais pu la boire, mais puis j'avance en marrant. Non, mais ça y est, celle-là. Je la garderai pour moi. Hein. Bonne chance. Merci. Tu viens Merci, pas avec Habibi. Nous Pardon. Non, moi je reste ici, j'ai des clients qui vont arriver. Ah ouais. Il y a souvent des clients. Oh, il y en a souvent qui rentrent dans la grotte. Allez, bonne aventure, hein. Merci. À bientôt alors. Mais c'est pas alors qu'il a d'autres. Tu vas le faire à chaque épisode, ça y est. C'est Bandito ce qui le fait. Peut-être. Oui. D'accord. Vous pénétrez dans la grotte alors que Habibi vous fait un petit signe de main. Et très rapidement, vient un escalier. Un escalier un peu particulier, parce que vous ne voyez pas en fait le sommet de l'escalier. C'est un peu courbé, tu vois, genre. T'as un peu du mal à regarder. Un escalier avec de l'élan. Oui, bon, mais on ne voit pas le haut. On ne voit pas le haut. Il y a des marches. Il y a des marches. Donc, si vous voulez, vous êtes dans un
il faut imaginer une grotte plutôt banale, si tu veux, dans la surface. Okay, c'est de la roche. Mais autour, il y a de la pierre qui a été taillée, littéralement, genre, mais c'est précis au millimètre sur chaque marche. Mais chaque marche a l'air un peu tordue, tu vois. Toujours avec un angle de, quoi, un degré. Ok. Voilà. On y va, quoi. Écoute. Bon, on continue tout droit. On explore, hein. C'est un escalier, y a pas à avoir peur. On peut faire un jeu de mental pour voir s'il y a quelque chose de suspect, d'abord. Tu peux réfléchir comme tu veux, mais il n'y a pas grand-chose de suspect. Bah, c'est un escalier. Ce qui est dangereux, c'est de tomber. Il ne faut pas tomber, c'est tout. C'est un escalier. Non, mais s'il y a une pierre ou... J'avance. J'avance, et est-ce que la gravité fonctionne normalement ou est-ce que l'escalier marche comme un escalier est supposé marcher et t'amène à la destination de l'opposé de cet escalier? Alors, ça t'amène à la destination auquel tu t'attendrais, sauf que la gravité déconne. C'est-à-dire que tu fais ton troisième pas. 1, 2, 3, et en fait, maintenant tu comprends qu'il y a un problème avec la gravité. C'est-à-dire qu'elle est toujours là, elle te pousse. Non, il n'y a pas de problème. La gravité, elle est là, mais un escalier, c'est censé t'amener là où l'escalier est censé t'amener. Quand l'escalier t'amène là où il est censé t'amener, ça marche très bien, ouais. Ok, alors. Mais lui, il passe tout droit. Vous, par contre, vous sentez qu'il y a clairement un problème dans l'escalier, quoi. C'est si ça marchait pas. En fait, que là, on se retrouvait face à un mur comme un débile, et là, ça marcherait pas. Pourquoi mettre un escalier qui marche pas? C'est débile. On est attiré par le sol, quoi. Vous êtes attiré par le sol. Donc ça marche. Ça marche. Enfin, ça marche. On voit que c'est comme ça, quoi. Bah, ça a l'air de partir un peu comme ça, ouais. Mais donc, vous marchez quoi 3 minutes à tout péter, ok? 3 minutes, hein. Et puis vous commencez à regarder. Il y a des fissures, en fait, qui commencent à apparaître, si tu veux, dans la roche. Donc vous pouvez voir un peu dehors. Et quand vous regardez dehors, la lumière, elle est en bas. Et le sable, il est en haut. Ok. Puis ça tient normal, quoi. Ça tient normal, ouais. Réfléchis pas, Billy. Laisse les gens qui font. Okay. Fais. Puis je marche. Tu marches. Parce que là, il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas savoir. Je fais. Faire. Il faut faire. C'est tout à fait exactement. Juste. Dans cette situation, je fais aussi seulement. Puis j'avance. C'est ça. 2 secondes. Voilà, je réponds juste à ma régie. Voilà, donc vous avancez en effet, et rien, en fait, c'est juste un couloir un peu bizarre. Mais pourquoi est-ce qu'il est bizarre? Vous arrivez à la fin, je vais quand même être déçu. Ouais. Un peu. Parce que si ça avait été un vrai looping, j'aurais pu finir en boule à la fin. Bah, techniquement, si tu prenais l'élan et que tu te mettais à rouler, hein, t'aurais fini en roulant. Oh, je fais demi-tour. Non, bébé, pas de retard, on revient. Oh. En sortant. En sortant. En sortant. Mais en sortant, sera en pente, ce sera pas pareil. La logique du mur en bavard, elle est quand même assez indomptable. Elle est nickel. Mais on l'a passé, donc grosse épreuve pour l'instant. Vous l'avez passé. Okay. Est-ce qu'on voit des belettes? Vous voyez maintenant que vous avez enfin passé cet escalier, beaucoup de belettes. Alors, la grande majorité fout le camp à votre arrivée. Là, vraiment, elle fout, elle grouille dans les couloirs, elle part un petit peu partout, sauf une. Il y a une bilette, comme dirait Bibi, qui te regarde, toi, le pyrobarbare. Elle a un œil tranché, elle te regarde. Et puis, sur elle, c'est curieux, il y a un petit cordon, en fait, en cuir, si tu veux, avec une sorte de patch qui pendouille. Elle te regarde, elle te met presque au défi. Puis après, elle part dans le coin. Oh, attends, je comprends. Elle est partie. Ouais, elle est partie. Parce que j'étais à deux doigts de sortir la hache, tu la mets sur le côté du plat, comme ça, puis tu... Tu joues golf avec la balette. Parce qu'elle n'est pas partie, c'est qu'elle accepte le duel. Ouais. Voilà. Elle accepte d'être une balle de golf. Oui, absolument. Non, elle n'accepte pas. Donc, face à vous, si je ne me trompe pas, attends, je vais aussi reprendre la map histoire de ne pas passer pour un grand blanc. Est-ce que je peux faire un concours de regard avec la belette? Parce qu'elle m'a regardé avant de partir quand même. Et, tu peux me faire un jet social, ouais. Merci, si je vais pas perdre. Et je peux l'aider là-dedans? Attends, je vais pas me laisser intimider devant le gamin. 70. Ça passe pas grand-chose. S'ils mettent, ça passe, sinon tant pis. Tu m'invites peut-être pas. Bah non, je peux pas laisser l'intimidation. Tu regardes, elle est intimidante, comme belette. Là, je m'arrête, je fais... Putain, mais la pression, la belette. Il y a une goutte de sueur comme ça. Qui vient du casque américain avec les deux bières dedans. Le t-shirt belette, le slim belette. Les pompes belette, tout en belette. Et... Mais la pression, la belette. Finalement, je les aime pas, je crois. Alors t'as toute cette panique sur toi. Donc, vous avez deux choix face à vous. Vous pouvez aller tout droit dans ce couloir, ou bien vous pouvez prendre sur votre droite. D'ailleurs, la belette à l'œil est tranchée et partie à droite. Alors, à droite, c'est un couloir qui mène à la salle des 100 piqûres. Des 1000 piqûres. Ah ouais. Des 1000 piqûres. Et en face, ça mène à la salle des délices. Alors moi, j'ai dit la dernière fois, il faut aller tout droit, mais on m'a dit, gna gna gna, on n'est
perdu, on sait pas où on va, on cherche la grotte, alors que la grotte, elle était tout droit. C'est toi qui as dit qu'on était perdu. Oui. C'est moi qui dis qu'on était perdu. Et on était apparemment perdu. Parce qu'on est jamais perdu. Ouais, à peu près. Parce qu'on est, en vrai, on n'est jamais perdu. Prenez-moi une direction. Non, si on attends, on n'est jamais perdu, on est là. Puis dit-il en regardant son propre poster. On est là. C'est vrai. Donc, et si tu sais où tu vas, t'es pas perdu. Surtout que la salle des 100 piqûres, selon les 1000 piqûres, la représentation, il y a une espèce de chemin tortueux. D'accord. Et je pense qu'il y a un vide au-dessus. Donc, je sais pas, mais moi, la salle des délices, elle me fait plus envie. Ouais, mais c'est sûrement un piège. Hein. Ouais, justement, c'est aussi ça. Ça va pas être juste une salle où on arrive, puis qu'il y a des gâteaux, puis on va se dire, trop bien, on va faire un petit festin. C'est peut-être ça le piège. Pourquoi ils appelleraient ça la salle des délices si c'était un piège au lieu d'appeler ça la salle des pièges? Ça fait pas de sens. Justement, pour piéger, c'est ça le truc. C'est ça, parce que toute personne qui réfléchit va se dire, est-ce qu'on va dans la salle des 1000 piqûres où ça sera méga dangereux, ou est-ce qu'on va dans la salle des délices qui est très agréable? Surtout qu'après la salle des 1000 piqûres, il y a la salle des sculptures. Si vous faites pas un choix, je vous mets tous une baffe. Attends, ce que j'allais dire, c'est bon, je propose qu'on casse la gueule à tout le monde. Ça okay. a toujours marché bon, jusque-là. C'est des 1000 piqûres. Je vous suis. Vous faites celle des 1000 piqûres, du coup. C'est Billy qui choisit toujours, de toute façon. Ouais. Billy. Celle des 1000 piqûres. Ok. Vous êtes mieux, gamin. Celle des 1000 piqûres. Oui. Vendu. Puis on y va. Ok. Vous allez à droite. Jamais à droite. Alors que vous arrivez dans la salle des 1000 piqûres, il y a un vent colossal qui souffle. Vous vous souvenez de la tempête de dehors? Oui. Ouais. Imaginez la tempête dans un réacteur qui, tu sais, pompe la vitesse de l'air. En gros, il y a des petits tunnels, en fait, qui projettent du sable à intervalles, à une puissance. Ça fait des petits trous, en fait, dans le sol. Et il y a plusieurs petits couloirs au-dessus de cette grande, j'ai envie de dire, digue de sable, que vous pouvez emprunter, sauf que le couloir, bah, il est droit dans le chemin des sables, quoi. J'ai une idée, mais j'ai besoin de vous. Oui. Très bien. Oui. Saras, je la prends et je la mets pouf, sur mon épaule avant qu'elle ait le temps de subir quoi que ce soit. Okay. Ah, voilà. Billy, lâche-toi la main, t'as juste à monter. Tu sais ce qui va se passer. Je le mets sur mon épaule. Et accessoirement, pendant qu'il est sur mon épaule, je lui donne le truc qui était dans mon slip. Tiens ça, ça va te lester. Okay. Et étant lesté, et donc plus lourd, et donc plus difficile à se faire soyer par le vent, parce qu'en étant simplement plus lourd, avec un meilleur centre de gravité, on avance. Ça marche. Billy, tu veux faire un truc? Sinon, c'est moi qui fais. Tiens, lâche pas la pierre, hein. Si tu lâches la pierre, on va perdre du poids. Le sable, il transperce tout. Il fait des crevasses, quoi. Enfin, il fait des trous. Ça sert à rien qu'on ait des boucliers. Bah, il y aurait des chances, ça t'éviterait d'avoir un trou dans toi. Non, mais vous, ça va vous rougir le cul, mais. Ok, moi, donc je lui passe le bouclier de chitine. Et moi je prends le grand couvercle de casserole pour me protéger. Bonne idée. Alors que vous vous équipez. Et tu lâches tous pas, les deux. Tu lâches non, pas. Non, je lâche pas, tu lâches pas le poing. Hein. Et c'est mon mien, tu le perds pas. Oui, c'est le tien, je perds pas. Donc, si tu veux, t'as le pyro-barbare avec Saras sur une épaule gauche, Billy sur l'épaule droite, toujours Billy le poster, avec le bouclier là. Le slip belette, le casque de footballeur américain. Enfin, et pas puis, de c'est toi qui as la chitine. Non, c'est toi qui as la chitine du coup. C'est non, moi qui ai le bouclier, ouais. C'est toi qui as la chitine, ok. Donc, t'as la chitine, le couvercle de la casserole, et ils sont là en fait. Et soudainement, toi, tu te fais presque projeter. Non, en effet, le fait que t'es bien accroché. Fait que t'as trop d'inertie pour partir, et eux ils prennent des impacts. Tu sors la casserole, tu fais clink. T'es là, à chaque fois que tu passes à travers un de ces courants en fait, c'est tellement violent. Et puis bah en fait, c'est les courants qui protègent, c'est du quoi. Vent, souvenez-vous, on meurt pas à cause du vent. Alors, je suis pas sûr que c'est vrai. En n'étant pas équipé en passant tout droit, si, mais. Non. On meurt pas à cause du vent, le vent ça ne tue pas, c'est du vent. Non, c'est le sable. Oui, donc bien sûr, après la chute, le vent, des tas de choses. Ouais, c'est pas le vent pur qui tue, voilà. Exactement. C'est la gravité. Et avec le surpoids, avec le bonus de poids en plus, c'est pas ça qui empêche, machin, mais techniquement, tu te fais moins souffler si tu pèses 200 kilos, si tu veux. Exactement. Mais ça a été une excellente idée. Et du coup, vous passez la salle sans aucun problème. Alors celle-là, je m'attendais pas. Sans aucun problème, sauf que quand je les pose, ils ont les cheveux qui se mettent à griffer. Par contre, vous pouvez me retirer et la chétine. Ah. Et le, je veux dire, ils ont pris l'apocalypse, quoi. Ah, c'est ça. Ah, et attends, et à l'arrivée, je suis là. Oh, mon poster. Et le poster qui a été pulvérisé. Mais le poids, lui, il a tenu, tu vois. Mais le chapeau a tenu, et le slip aussi. Bonne qualité, bonne cam. Bah, bonne cam, quoi. Abibi, correct. Abibi, correct, ouais. Plus que ouais, correct. Très bien. Oh, bah, je suis on sûr retournera que en ressortant, du coup. Abibi, en sortant. Vous avancez plus loin. Mais. Vous arrêtez. Vous avancez plus loin une fois qu'il a récupéré son petit poids par, dans le slip. Dans le slip. Non, parce que tu comprends. Ouais, mais c'est le tien. C'est pour les grosses. Puis je pars.
Alors ok, ouais. Ouais, ouais, on est d'accord. Je continue, tu sais, ouais. C'est ça. Okay. Non, mais il m'aide, donc... Alors que vous avez passé de cette salle qui, maintenant que vous vous retournez, fait des sortes de sons, en fait. Il y a une sorte de rythmique dans l'air, dans les à-coups de vent avec le sable. Presque une mélodie, en fait. Ça balance bien. Et vous arrivez directement dans une sorte de ville miniature, okay. Avec des belettes partout. On s'entend ? Personne ne passe à travers la salle des 1000 pécures. Donc vous arrivez droit dans Belettetopia. Oh. Des belettes vous regardent étonnés. Il y en a qui sont là avec, tu vois, un petit peu de paperasse qui se baladait, de l'administratif. Okay. Il y en a quelques-unes qui étaient au théâtre, dans l'amphithéâtre, qui vous voient, qui lâchent leurs objets, qui foutent le camp. Et toutes les belettes commencent à s'enfuir dans des trous à gauche et à droite. Est-ce qu'il y a la belette barbare ? Non. Est-ce que je peux faire un regard rapide de la vie, machin, et trouver ce qui ressemble le plus à une taverne? Oui. Parce que ça, c'est un langage universel. Tu trouves la taverne, sans aucun souci. Je ne peux pas rentrer dedans. Non, tu peux arracher le toit. Non, je vais m'asseoir devant, poliment, et je vais sortir un truc à boire, et je vais picoler tranquillement. Je suis un peu pas sûr que t'arrives à t'asseoir dans la rue, en fait, à Belette. C'est genre... petit. Ah ouais, c'est bien petit. La rue, je pense, c'est un truc qui fait genre même pas ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu peux genre à peine tu peux te mettre à genoux, si tu veux. Eh ben... Même à genoux. Je vais sortir une pièce. Ouais. Poser la pièce devant la porte. Tu bloques l'entrée. Ouvrir un morceau de toit. Prendre un tonneau. Fermer le morceau de toit. Me décaler, pas gêner la rue, hein, et siroter tranquillement mon dé à coups de bière. Tu es en train de siroter un dé à coups de bière, sans déconner. Voilà. Et de me dire, ça c'est bon, la bière de boulette. Qui l'eût cru? Ouais, je veux bien goûter, ouais. Je te rejoins, puis je prends aussi un petit... Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être utile dans cette ville? Alors, vous regardez, mais en fait... Bah, sa bière, ce qu'ils intéressent... C'est que la bière. Il n'y a pas que ça dans la ville, bébé. Non, c'est de suivre. Il y a aussi l'or. Alors que vous fouillez Belettetopia, il n'y a pas forcément quelque chose d'utile. En revanche, il y a énormément d'outils, d'objets qui sont à taille humaine, qui ont été recyclés à taille belette, j'ai envie de dire. Ouais. Tu vois, tu prends ta fourchette, le petit cure-dent de la fourchette, tu la casses, puis ensuite tu la reforges dans une petite fourche, puis ça te fait une fourchette à belette, tu vois. Des trucs comme ça. Que vous trouvez un petit peu à partout, des habits, notamment. Pardon, je rigolais parce que j'imaginais la scène où t'as littéralement tous les belettes qui s'enfuient en chat, il y a un bébé belette, un gamin, tu vois, qui est abandonné, qui est devant l'ombre, tu sais, qui reste devant la météorite. Et là, genre... J'enlève la casquette, j'appuie sur lui, mais tu sais, ça me met dans un dôme. Ouais, c'est ça. Il est enfermé. Tu lui donnes la casquette parce qu'on s'en fout, si tu veux. T'as le pire barbare qui part après avoir traumatisé la pauvre le bébé bobette. Mais non, il n'y a pas de bébé. Tant pis. C'est important, ça. Il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé. Il n'y a que des adultes. Voilà. Mais donc... ça, c'est sur la carte, ça c'est, non, c'est marqué la salle des sculptures, donc je m'attendais à autre chose. Bah, techniquement, vous regardez, vous avez une ville en miniature, quoi. Ouais, ouais, ok. Ils n'ont pas appelé ça la salle des belettes. Non, je comprends, c'est une belette. Ça sert à rien, les cartes. Ouais, j'avoue. Voilà, donc, est-ce que vous fouillez particulièrement cette pièce ou vous... Est-ce qu'on voit une sculpture, quelque part? Parce que c'est... Alors, c'est une, littéralement une ville sculptée dans la roche, en fait. Oui. Hein. Voilà, c'est pour ça, la salle des sculptures. Je vais demander des statues ou autres. Non. Okay. Je suis déçu. Je rigole intérieurement, je regarde la taverne, et je fais, hey, regarde, je sors l'espèce de petit truc comme ça, et je fais... Je baise à la taverne pour boire, ça règle mes problèmes à la maison. Et si je buvais plus, peut-être que je serais plus viril, comme le pyro barbare. Je m'appelle Billy. Oh, c'est gratuit. Puis je le remets dans mon slip, c'est gratuit. Mais c'est... Tu veux parce qu'il était quelque chose, Billy? Il était aussi, la bonne taille. Ouais. Bah oui, évidemment. Une petite bière. Je vois pas cette bière-là. Ouais. Alors, pendant que le pyro barbare il est en train de faire toutes ces conneries, qu'est-ce que vous faites, vous deux? Je regarde honnêtement pour quelque chose d'utile. Alors, rien d'utile. S'il y a de la corde, des pioches, une pelle. Bah oui, mais la taille belette. Oui, mais la taille belette. Et quid des objets qui ont été recyclés alors qu'ils étaient... Oui, là, t'as des fourchettes, des ustensiles, des trucs de petite taille qu'une belette peut manier. Oui, mais genre, c'est taille. Moi, je regarde s'il y a une... À tout péter. Si on entre dans la salle, si elle est... C'est quoi, un carré, enfin... Bah non, c'est plutôt une sorte... En fait, ça a été sculpté à même la roche. Ah ouais. Ok. Si tu veux. Ben, je regarde s'il y a un... si c'est un cul-de-sac ou si on arrive à passer quelque part. Il y a un couloir, il y a une sortie plus loin. Ok. Si c'est ça la question. Bon, on fait quand même attention, moi je ne détruis pas. Oui, tu détruis pas. Oui, bien sûr. Fais-moi, j'ai juste un jet de physique parce que c'est plutôt l'équivalent de Godzilla qui essaie de faire attention à la ville. 87, ça passe fou. Pas, ouais, tant pis. Il en a là, est-ce que j'écrase l'écrase juste... L'écrase la nursery. La statue du village, la grande statue du héros belette qui tient comme ça, tu vois, je pose mon cul dessus en faisant oups. Tu écrases une statue mais qui ne représente pas un héros belette.
qui représente l'équivalent d'une dame humaine. Oups, voilà. Elle ressemble à quoi ? Ouais, voilà. C'est difficile à décrire maintenant qu'elle a été écrasée, mais j'aurais dit à la va-vite que ça ressemblait à une dame habillée en orientale, si tu veux. Okay. Ah. Un peu comme Habibi ? Un peu comme Habibi. Alors, je regarde s'il y a des belettes qui nous voient de là. Alors, les belettes, elles sont terrées dans leur trou. Bien sûr, bien sûr. Mais si regarde, je fais... Je prends les restes de la statue. Ouais. Tu le... Ouais. Et je le remplace par le truc comme ça. Voilà. Il y a une belette dedans. Ouais. Bah, je m'en fous. C'est la même chose. Je le pose dessus. Écoute, hein. Il y a une belette au lieu d'une. Oui, mais tu remplaces la sculpture que tu casses par une autre sculpture que tu casses. Ça paraît d'une raisonnabilité sans faille. Donc je perds mon presse-papier. Tu laisses donc le presse-papier à belette. Je récupère. Qui devient le presse-papier? Qui devient la statue dans le centre de la ville. Écoute. Ouais, bah écoute, c'est déjà ça. J'aurais encore eu l'épée de Virilus, j'aurais planté là. ça aurait été métal. C'est métal parce que t'habites dans une ville où c'est une tour Eiffel, c'est une épée gigantesque avec un œil comme ça qui est énervé. C'est un peu stylé. Il y a un couloir qui suit si vous voulez continuer votre aventure. On continue. Tant pis pour le presse. Il n'y a vraiment rien qu'on peut récupérer ici. Non, il n'y a rien d'intéressant. Il y a des objets, comme je t'ai dit, un petit peu humanoïdes refaits qui sont un peu bizarres. Bon bah, on continue. Vous continuez. Il n'y a plus rien sur la carte que. Voilà. Donc vous avancez très rapidement à tâtons. Vous voyez plus trop où vous êtes, donc tu rallumes ta tâche, je suppose, Pierrot Barbare. Toujours. J'ai toujours ma torche. Vous avez votre torche, ok. Je tends l'épée en mode. Ouais. Je peux avoir un peu de. S'il te plaît, bébé. Tu vas te dire que c'est son sien, tu vois. Exceptionnellement. J'ai tout amusé devant cette épée. Te brûle pas avec. Bah, ça dépend, s'il se bat avec, est-ce que. Elle brûle, on est d'accord. Seulement dans les cas de situation de nécessité ou d'urgence. C'est quand même le buff de DPS de Fou Furieux. Ouais, justement. Mais je l'ai rajouté aussi. T'as une capacité qui s'appelle Tubru. C'est le SSJ. C'est quand je suis en dessous de la moitié de mes points de vie, tu vois, que t'actives ça en mode bon, bah ça. Faut arrêter que ça déconne maintenant. Ouais, mais là, lui, il se bat avec ça, du coup. Si ça l'amuse. Ok. C'est pour ça, mais je. Alors, vous continuez à avancer dans cette grotte, ok. Elle est relativement mystérieuse. Hein. Y a passablement de choses illogiques dans cette grotte, et maintenant que vous commencez à vous en rendre compte. Attends, des choses illogiques, il y a des escaliers qui marchent, il y a une ville de belettes à leur taille. Pour le papier bro barbare, vous rendez compte qu'il y a des trucs qui commencent à déconner. Jusque-là, tout fait sens. Et il y avait des bureaux administratifs aussi. Ouais. Quoi ? Ouais. Vous rejoignez un couloir. Bureau administratif ? Ouais, de belettes. Oh. Ça fait penser à Pumtar, par pur hasard. Fumtar, oui. Ça. Vous rejoignez une sorte, comment on va dire ça ? Imaginez un globe à même la roche, comme si on avait pris une sphère parfaite, on avait effacé en fait la matière tout dans cet endroit. Mmh. Et en fait, quand vous entrez, le sol, c'est du sable, mais c'est du sable de verre. Alors, en tout sens, ça ne tranche pas, mais ça reflète la lumière comme jamais. Okay ? Il y a de l'écho. Il y a un halo de lumière, un monotrou qui éclaire cet endroit, qui est reflété comme jamais, les parois elles-mêmes reflètent. Et du coup, la lumière vous démolit les yeux. C'est très difficile de voir dedans. Okay. Il y a plusieurs couloirs qui ont l'air de rejoindre, en fait, sur votre gauche. Peut-être les autres couloirs du reste de la cité de l'endroit. Et au centre de ce puits, en fait, de sable de verre, il y a un casque. Un casque assez particulier. Bon, tu me diras, Bob, si c'est complètement hors sujet, mais on essaiera. Un casque noir et or qui attire fortement votre attention. Dans cet endroit, il fait chaud. Il fait très chaud, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a un couloir sur votre droite aussi. Beaucoup plus petit, mais empruntable. Alors, c'est vrai que je viens de me débarrasser de ma casquette. Hein. Ouais. Mm-hmm. Je sens sur une petite loutre. Qui pourra boire du coup les deux bières sur le côté. Les deux, elles étaient vides. Je ne sais pas que je les baisais la loupe. Voilà. Ah ouais, ça c'est dommage. En fait, il les a vidées sans que tu le saches. Mais c'est marrant, tu vois, c'est la casquette que tu files. Pétrifiée, voilà. J'espère qu'elles ne nous en voudront pas parce que techniquement, on n'a rien fait. Tout droit. Ouais. On les a pas aliénés. On les a pas aliénés. Et ça part où ? À droite ? Alors, enfin, vous arrivez tout droit, vous avez pris un couloir qui allait sur la gauche. Le casque, il est à quelle taille ? Le casque, il pourrait être pas mal à ta taille, ouais. À la mienne ? Ouais. Surprenant. Il a un pattern spécifique, quelque chose que je peux reconnaître ? Parce que c'est de la baston, hein, à un moment, ça s'est vu. Alors, je vais te demander si t'es déjà... C'est quoi déjà le nom de cette zone ? En Arcadie. Est-ce que tu es déjà allé en Arcadie ? Ah, alors,
Aller en Arcadie, non, mais reconnaître du métal arcadien, 100%. Ok, c'est carrément du métal arcadien. Oh, donc ça veut dire que c'est pas de la merde. Non, attends, il y a peut-être un piège. Ah oui, mais il est bien, ça vaut le coup, même de se bouffer le piège, parce que là, le matos, il est bon. On peut faire... C'est vrai que c'est tentant quand même, il est joli, hein, il brille pas mal. Moi aussi, ça m'attire beaucoup, mais ce serait bête qu'on se fasse piéger par ça. Ouais, mais on est trois. Ouais, moi j'ai l'habitude de voler des trucs, mais je peux faire un jet de montage. C'est vrai ça, t'as l'habitude de voler des trucs. Je prends Billy, je le mets en avant. Vas-y. Merci. Tenez, pour ceux qui se demandent à quoi ressemble le casque. Ah. Tiens, Pyro Barbare. Ah, effectivement. Ah, il est classe. Hein. Ouais, ah. Donc il est sur le sol, à poser à même le sol en fait. Allô. Ouais, c'est bon, il y a de l'écho. Hein. L'important c'était de tester l'écho. Justement, on l'a pas encore. Vous l'avez pas encore. Donc, Billy, je crois qu'il te balance dedans. Hein. Non, je l'ai mis et j'ai interdit de la place. D'accord. C'est le switch, c'est devant. J'ai fait un jet de mental okay. Pour voir si j'arrive à voir quelque chose, un piège, un mécanisme, n'importe quoi. Pense là, je le secoue. Ouais, pense, Billy, pense. tu aurais un. J'essaie de se concentrer pour ça. Vas-y. J'avais un malus. Et non. Okay. Il réussit. C'est que ça marche. Si je peux. Ouais, bon, je peux l'aider, mais ça marche. Justement, j'allais dire, tu l'aides. Ah, dans ce cas-là, je prends Saras aussi. Pense, Saras, pense. Oui, oui. Saras, tu te fais secouer, t'es pas encore habitué à ça. Billy, il a eu un chapitre entier dans un livre pour faire ça. C'est ça, mais Billy, il a l'habitude maintenant, tu vois, même lui 4. Ah, ça fait un peu mal à la tête. Tu sais, c'est le syndrome du bébé. Du bébé secoué. En fait, t'as tué déjà plusieurs Billy comme ça, donc si tu changes, tu vas un peu plus. C'est le troisième de remplacement, c'est ça. J'ai une réserve dans une cave. Alors, Billy, tu regardes l'endroit et décemment, il n'y a pas de piège. Le sable n'est pas un sable mouvant. En revanche, te pointer au centre de cette pièce revient à te mettre au centre de la lumière. Il y a une sorte de condensation de lumière à cet endroit-là qui est dangereux. Elle vient d'où ? Elle vient du halo de lumière qui est reflété par les parois et le sable et qui se condense à peu près au centre de cette pièce. Qu'un puits en haut de lumière, ouais. Alors tu peux quand même y aller, hein. Tu vas pas brûler instantanément. Mais, est-ce que la crème solaire sera d'utilité sur le PB à ce moment ? Ça dépend, est-ce qu'il accepte d'en mettre ? Non mais... est-ce que la crème solaire plus sa résistance naturelle au soleil ? Oui. Je ferais quelque chose. Oui. Résistance naturelle au soleil, mais si je suis un pyro barbare, c'est en mettant le feu aux autres, pas à moi-même, si tu veux. Ouais, mais si tu prends feu, est-ce que c'est marrant ? Non, mais non, justement, ça marche pas. Voilà. Non, il y aurait une meilleure idée à avoir. T'as toujours ton couvercle de marmite ou pas ? Non, il est tout cassé. T'as toujours la marmite ou pas ? Oui. Parce que la marmite marche comme un couvercle de marmite, c'est juste plus. Bah après, tu pourras plus cuisiner avec si tu veux. Non, mais c'est juste plus profond, si tu veux, mais dans la fonction, ça marche de la même manière. Ok. Ouais, mais ça. Oui. Bah oui, ouais, parce que pour qu'un couvercle marche, il faut qu'il soit aussi large que la marmite elle-même et ou inversement. Oui, exactement. On est d'accord. C'est une logique absolue, si tu veux. Et l'objectif, c'est de boucher le puits de lumière. Ok, donc toi, tu veux mettre, en fait, la marmite est beaucoup plus petite hein, que le halo de lumière. C'est quand même... Ah. C'est un sacré morceau. D'accord, hein, d'accord. Parce imagine que la pièce fait une dizaine de mètres de diamètre. Tu bouches le trou, puis t'attends, si tu veux. Non. Comme un bouchon de liège. Bah oui. Désolé, j'aurais dû mieux expliquer. Ouais, alors, moi, j'imagine ça très haut, en fait. Voilà, si vous vous demandez un peu les dimensions, c'est une pièce avec un diamètre de 10 mètres. Ah, d'accord. Ouais, ok. Ouais, donc c'est... Je vais tester un truc. Ouais. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je marche sur le mur. Tu mets ton pied sur le mur, tu glisses. Il se passe non, rien. Ça marche pas. Ah, c'est normal, c'est pas des escaliers. Oui. Ouais, c'est logique. J'ai essayé, mais c'est pas des escaliers. Ça aurait été des escaliers, ça aurait ça aurait marché, oui. Ça aurait pu marcher, bien sûr, évidemment. Bien essayé. Bah, on va voir. J'ai dit qu'il y avait pas de piège, hein. J'ai juste dit que c'était un. La crème solaire plus la résistance naturelle, PB, ça devrait marcher. Attends, j'ai plus les pédales. C'est de la lumière, quoi. On est aveuglé, ça va pas. C'est très aveuglant. Bah, au centre de la lumière, ouais, tu peux prendre feu, ouais. C'est de la lumière condensée, tu sais, c'est un peu comme une loupe. Et attends, le casque est juste au sol. En dessous, hein. Il n'est pas dans le... Moi, je m'approche d'un faisceau de lumière et je fais juste... Enfin, très rapidement, j'essaye de... Ça te brûle le doigt. Ah ouais, ok. J'ai une couverture, en fait. Ouais, ça va brûler la couverture. Mais attendez... Non, mais vous êtes, de nouveau, vous n'êtes pas obligé... Le centre de la lumière, il est bien au-dessus du casque. Hein. Je veux dire, c'est condensé au centre de la sphère. Mais attendez. Donc on lance quelque chose sur le casque, le casque il bouge, il sort de la lumière. J'allais revenir sur la pièce précédente, choper un caillou, essayer de le balancer sur le casque. C'est de l'acier arcadien, c'est pas un caillou pour qui va échanger quoi que ce soit. Tu jettes le casque, Fred, tu peux entrer. Tu jettes le caillou. Hein. Casque, c'est un peu la pétanque, tu vois. Ah oui, oui. T'es là, t'essaies de l'envoyer. Et alors que tu shootes le casque roule sur le sol et tu vois la tête d'un homme sortir du sol, comme ça, évanoui. Et vraiment en sale état. Évanoui ou mort ? Je sais pas. Mais il est presque en train de brûler là, du coup.
que... Non, il est en dessous, j'ai dit. Le, ah, le centre ouais. est un peu plus dessus. C'est un type d'Arcanie, du coup. D'Arcanie. D'Arcanie, ouais. On a de l'eau ou quelque chose pour essayer de le réveiller. J'avais lu une pièce comme ça. Enfin, j'avais vu une pièce comme ça. Oui. On prend le casque et on met la marmite. Au même moment. Oui. Oui, mais on a déjà enlevé le casque, ça fonctionne pas. Ah merde, ouais. On ne savait pas qu'il y avait quelqu'un en dessous. Mais il est genre vraiment bloqué sous le sable. Faut le creuser, faut le déterrer. On creuse quoi, on dégage. Fait, y aller, y a pas oui, de vous pouvez ramper. Ah ouais. Oui, on y va. Ok, vous bah rampez dans le sable. Bah non, on ne rampe pas, on creuse. Oui, mais enfin, on rampe, mais bah, on creuse. La lumière. Voilà. Pour pas cramer. Oui. Donc on se met à quatre pattes, quoi, à peu près. Allez-y. Moi, je vais me mettre sur le côté à regarder. Et c'est bien, tu les vois, ils sont là un peu en train de. Tu sais, t'as l'impression d'avoir deux enfants qui sont en train de faire des petits châteaux de sable au sol là. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que tout ce que je fais est pas forcément intelligent. Mais tout ce qu'ils pensent est pas forcément bon à faire. Donc moi j'attends. Ok. Je suis dégoûté quand même. Vous êtes en train de dégager cet homme. Ouais, je t'aide à le. À deux, vous arrivez, seul, vous êtes incapable, hein, mais à deux, vous arrivez gentiment à l'extraire du sable et vous arrivez à le tirer un petit peu hors de cette grotte, j'ai envie de dire. Ouais. Ok. Vous êtes un petit peu plus au calme. Je vous laisse récupérer le casque aussi, accessoirement, si vous voulez. Hein. Vous passez où, du coup ? C'est là. Ah, le casque, du coup... Vous êtes dans un des couloirs. Si me ramène l'homme, je vais prendre l'homme, prendre le casque, remettre le casque sur la tête de l'homme de manière noble. On va y arriver. Attends, c'est d'abord, vas-y, on remet le casque de l'homme. On prend le manche de la hache. Ding, 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 debout. C'est les meilleures méthodes. Très efficace. Bon, ça ah ouais, bah, claque, voilà, mais ouais, c'est efficace. Bah non, parce que tu ne tapes pas dans le casque, tu mets juste des petits coups et que ça résonne, donc lui, ça lui pète tout. J'ai un de ces mal de crâne. Je lui passe la gourde d'eau. Vous lui passez la gourde d'eau. Billy, quand tu le regardes, il a l'air grand brûlé. Il a pas l'air d'en avoir pour longtemps. Ah, il est grand brûlé. Ouais. Ah bah, garde le casque. Bon, j'allais pas lui faire un mécage. Non, bien sûr, mais il est grand brûlé, bah garde le casque alors. Allez, on te cache. Hein. Non, mais on se casque en bas. De l'eau. Sans qu'il va crever, j'ai pas envie de l'aider d'eau, mais j'ai pitié. Bah, fais-lui la flotte. On en a encore assez, non? Oui. Ouais, voyage de retour. J'ai pris une grosse gourde. Oui, j'en avais assez. Bah, il avait deux gourdes, lui. Ah, j'en ai pas bu, moi, sur le voyage. Ouais. Et vous remarquez que j'ai toujours trouvé des endroits où il y a toujours des. Toujours! Y'a pas de problème, hein. Moi avec mon stock de départ, j'ai toujours tout géré. Après, il y a eu le mec dans le désert, il y a eu le marchand, il y a eu les belettes. Tout vient à celui qui sait se servir dans son environnement, les enfants. Hein, donc. Il est fou, ce bière au barbare. C'est vrai. C'est un succès total. Bah, tu me diras si c'est le succès total avec le chevalier. Vous êtes qui, là? Oui. Cher chevalier. Où suis-je? Ah, la grotte. Oh non, des aventuriers. Oui. Vous ne passerez pas. On est déjà passé, donc c'est un peu trop tard. Hein. Et puis, on sait pas où on va, de toute façon. Donc, ça ne nous dérange pas de pas passer, si tu veux. Ça dépend dans quel sens. On passera par ailleurs. Parce que t'étais pas très... Enfin, t'étais pas très efficace, quoi. On voyait juste un casque posé par terre. T'étais un peu enfoncé dans le sable. Ça nous empêchait pas trop de passer, mais on est quand même venu parce qu'on a des gens bien pour t'aider. Disons que le soleil a été un ennemi redoutable. Plus que redoutable, apparemment. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais je garde cet endroit. Personne ne doit aller plus loin. Bah, Pourquoi on ne doit pas aller plus loin? Ce serait peut-être mieux de le garder de nuit, du coup, parce que là... loin se trouve le papyrus désir refoulé. Papyrus créé, écrit par Blatznat. Il contient, justement, toutes ses pires idées. Tout le mal qu'il a pu penser le contient. Et il ne faut que personne ne le lise. Bah... Vous imaginez. N'importe qui. Si tu me dis brûler l'œil. Non, mais je sais pas lire. Fou, voilà, c'est pour ça, donc moi je me sens ouais, pas mais con. On peut le lire. Moi je vois ça, j'ai juste envie pour de toi, hein, mais si vous, après. Oui, mais si vous voulez vous attirer des emmerdes, bien à vous, si tu veux. Enfin, moi j'ai façon, toujours dit que de toute façon, hein, c'est... Toujours, tu m'as toujours reproché ma picole, hein, moi je te reproche de savoir lire, si tu veux. Oui, on devrait vendre tout. Et clairement, vu ce qu'il raconte, l'un des deux vices va te tuer plus vite que moi. Hein, je... Lire, ça tue. Mais comment il a atterri ici? Enfin, pourquoi vous gardez ça? Vous êtes là depuis combien de temps? Je ne suis pas là depuis aussi longtemps que ce papyrus. Je suis venu par la suite, apprenant qu'il était là pour repousser tous les aventuriers. Même si, ces derniers temps, ils étaient un peu palichons.
Ouais, ils s'enfuyaient directement. Juste en voyant. Même avec le casque enterré. Enfin, même disons qu'ils n'avaient même pas d'équipement. Ils n'étaient pas dignes de m'affronter. Un mec équipé comme vous au milieu d'une caverne paumée au milieu du désert. On s'y attend pas. Je vais être sincère, ça me rend triste. Vous voulez pas qu'on le crame le papier puis on sort tous ensemble? Moi, je serais plutôt d'avis de le revendre, mais on le crame juste après, comme ça, moi, je peux quand même sauver ma famille. Mais après, on le crame. La famille n'est pas liée au papyrus. Oui, en fait, on doit ramener le papyrus à Banditos pour qu'elle nous rende sa famille. C'est ça le scénar? Oui. Mais on s'en bat les couilles. On crame le papier, on va voir Banditos, on lui casse la gueule. Mais ma famille, on va sauver ma famille, on lui casse la gueule aussi. Si tout le monde y cherche, tout le monde y prend. On a besoin de papyrus pour attirer Banditos. Oh, c'est pour ça qu'on y va, mais moi, j'avais pas suivi. Moi, je croyais que tout le monde voulait le papyrus parce qu'il y a une raison. Vous, qui êtes-vous? C'est Pierre Obama. Ça dépend qui demande. Oh non, un chevalier d'Arcadie. Certes, exilé, mais j'en reste un. Bébé, Pyro-Barbare, un des derniers membres du clan Pyro-Barbare crâne lornien. Vous avez l'air d'être quelqu'un avec plein d'honneur. Peut-être que je peux vous confier cette tâche. Bah, c'est moins une question d'honneur que d'avoir une gourde remplie d'huile de feu. Oui, un papier et l'huile de feu, ouais, je me sens à la hauteur, ouais. Je sens que je n'en ai plus pour longtemps. Et je ne pourrai plus garder ce papyrus. Si vous comptiez le détruire par la suite, je peux vous demander cela. Est-ce que vous m'accorderez un dernier duel afin que je puisse mourir et rendre honneur à ma famille et à Zarkam? Oh putain. Alors... Oui. Alors pardon, là j'écarte Billy d'une main, c'est... il glisse sur le sac comme ça, je prends Saras par la nuque, et la pose à côté de Billy, si tu veux. Je crois qu'il nous a mis de côté. Et bon, ça. Je crois qu'il faut qu'on se retire, on le laisse. C'est ça, et même pas je les capte, même pas je les regarde, je sais que de toute façon ils viendront pas intervenir, je fais. Ok. Parfait, prenez votre épée. Alors qu'il dégaine son épée... fait en acier arcadien. Arcadien, c'est très bonne carte. Monstrueux. Bob, t'as la sensation que t'es pas en train de combattre Jean-Luc Ledo. Mais... ça va être un sacré duel. C'est sans importance, il l'a demandé. On est d'accord. Il est mourant. Non mais je te préviens. L'honneur l'exige. Je savais que tu dirais ça. Bon, si par contre, si je sens que c'est pas Jojo le Clodo, je vais être feu à la hache quand même. Ok, tu mets feu à la hache. Écoute, hein, il mérite le 100%, il mérite le 100%. Ok. Tu le vois qui enflamme sa hache, putain, encore du feu. Déjà, t'en peux plus, cette chaleur. Ok, eh ben, j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Vous rentrez, je suppose, dans la salle qui est... Non, mais on est toujours dans la salle, salle vous êtes dans de le couloir. La lumière des salles, si tu veux. Est-ce que vous retournez dans la salle de la fournaise? Cela fera une magnifique arène. C'est stylé, je suis d'accord. Okay. Faites juste gaffe, le centre, il crame. Mais bien sûr, voilà. Mais pas grave, au contraire, c'est d'autant plus stylé. Okay. Mais de toute façon, c'est comme dans For Honor, c'est un ledge. Jeter quelqu'un dans le centre qui c'est crame, ça. C'est déshonneur d'un côté que de l'autre. Donc si l'accident arrive, l'accident arrive, mais en aucun cas on finira ça comme ça. Ça marche. Bon, eh bien écoute, Bob, tu vas jeter tous les deux. C'est les mecs qui font un duel et l'autre qui plante son épée dans l'arbre et l'autre il l'attend, puis il essaie de l'aider à retirer l'épée, puis il vraiment s'enflurer et on recommence à se battre. Ouais, c'est le même principe, c'est bon ça. Bah écoute, Stomba, let's go. Alors juste, t'as un malus de 30 contre lui. Et eh ben, ça fait combien 85 moins 30 55 ouais. Je viens de faire un 47, donc ça met une okay. Bah, fais-moi les premiers dégâts, du coup. C'est parti. 14 plus 20, 34, et je rappelle que ça brûle, donc il bouffe 5 dégâts supplémentaires par tour pendant 3 tours. Ça fait un total de 39, et il va prendre les 10 de DB, 35 pas. Tu lui mets le premier coup, je veux dire, tu fais une, deux passes, et t'es là, putain, tu t'attendais pas à ça, quoi. Franchement, il te rentre dans les côtes, ton métal, il fait... Mais, tu tiens debout. Alors que tu viens de lui mettre une de ses pétées, je te dis non, pas... Non, mais je m'attendais à rien de moins. Mais c'est juste, il l'a demandé, on le fait. Ça pourrait être on le meilleur ami, tu le fais, c'est comme j'avais ça. J'avais raison de te choisir. Deuxième passe, est-ce que vous faites une action particulière ou vous vous mettez juste sur la gueule? Non, je lui mets juste sur la gueule. Alors, jette-moi les dés. Sale, ou je peux lui jeter du sable au visage, quoi. Pour l'amour du Christ, essayons de faire ça. 10. 10. Voilà, c'est le mec qui prend full combo. Mais il est là, il a survécu à deux attaques. C'est un duel, c'est honnête, si tu veux. J'avais peut-être besoin d'un peu plus tôt. Et j'ai fait un autre 10 qui fait 10 plus 20, 30. Et on rappelle, il prend 5 points de dégâts. Et j'imagine que
le DPS cumul de flammes ne se cumule pas. Pas non, ce voilà. serait la triche, mais ça reset les flammes. Ça reset le compteur, mais ouais. ça laisse encore 3 tours à 5, donc ça fait un total à 35 dans sa gueule. Ça commence à faire 70 dans la bouche, hein, un peu plus. T'es, ouais, t'es en train de prendre un petit 74, peu plus cher. C'est un très bon échauffement. Tu vois, il a des pièces d'armure qui tombent sous tes impacts, vous faites plusieurs passes, ça va tellement vite. Vous deux, vous regardez ça, c'est là. Ouais, en fait, c'est bien qu'on les laisse les deux. Ouais, c'est pas mal. Des DBZ, ouais. C'est un peu ça. C'est impressionnant. T'es là, genre, tu débordes, ça fait des flashs de lumière. C'est le combat qui se passe. Tu sais, t'as les ondes de choc dans le ciel, mais tu vois même pas les combattants. C'est fais-moi un troisième jet. Eh ben, écoute, ça bourre, hein. Navré, hein. Je bah, il réussit tout, mais qu'est-ce que je te dis ? Ah, 75. Là, ça passe pas, j'en prends une. D'accord. Et du coup, tu vas prendre. Tu prends 26 dégâts. 26 dégâts, moins 1, car j'ai le slip. Non, 26 dégâts. Ouais, 26 dégâts, bien sûr. Ah, attends, ça fait 117. 111, moins 20, 91, si je dis pas de conneries. 111, moins 20, ouais. Ah, tu me déçois, tu m'as habitué à mieux. Vraiment, il te fait une double passe, il te met un coup de genou, ensuite il te met un coup de tête. Tu recules un peu en mode... Il se défend, ah ouais, il se défend. Allez, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Et c'est un 15. Et c'est un 15. Donc, sur 55 de physique par GMAUS. Ouais. Tu reviens sur lui, et franchement, un gars qui est censé être finir mourant, en Dragon Punch, en c'est un peu ça, quoi. Tu lui mets un monstre coup. J'ai fait 15, donc plus 35, ouais. Plus les 5, de, plus 40. Pas besoin de calculer, ça fait 120 tu vas voir ce qui se passe. Gueule, enfin, à un moment, ça commence à... Tu lui mets une méga pété dans la mâchoire, tu sais, ça fait un peu genre pouc dans l'armure. Il s'effondre sur le sol. Deux secondes plus tard, il se relève. Alors que t'es sûr que ça l'aurait tué, le gars refuse de mourir. Ah, bah, c'était pas assez pour lui. Il suffit de le décapiter. Stop. Là, par contre, je suis décontenancé, du coup. parce que normalement, tu time-out pas. Tu fais pas pouce. Là, tu l'as eu. Il est tombé. Il y a eu le chaos de la victoire. Mais il se relève. Ah. Tu as été valeureux. Et tu as remporté ce duel. Et est-ce que tu juges que ce combat a été remporté suivant les codes de l'honneur ? Ça aurait pu vraiment se passer différemment. J'ai eu de la chance. Sur je te remercie. Tu sais quoi ? C'était honorable. Tu n'as pas à être honteux de ta défaite. Sois fier d'avoir survécu. Voilà. 5. Qu'est-ce que tu veux dire ? 4. J'ai un cadeau pour toi, pour te remercier. 3. Ok. Ah. Je sors de ma besace un magnifique fromage. T'as un époisse d'Arcadie qui sort. Tu le machin entre l'odeur. Déjà, il est tout moelleux, tout chaud et tout. Bah, tu sais que c'est merveilleux en termes de goût, hein, mais ouf, putain, l'odeur. Fais face à Zarkhan fièrement, fier guerrier. Je le mangerai, moi et seulement moi. Et il meurt. Et il tombe à genoux. Et il s'écrase dans le sol. Très bien. Je lui remets les morceaux d'armure qu'il a perdu durant le combat. Je lui mets son épée sur le torse. Je vérifie que son casque est bien sanglé. Et je le laisse comme ceci. Par contre, je tiens la tome de fromage. Je regarde les dominos. Et clairement, il n'y a pas besoin de faire de jet social. Vous comprenez que si vous touchez à une miette lactée de ce breuvage divin, voilà, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui mange. Oui. Okay. Bon, t'as mis des grosses... Compris. T'as mis des méga pétés à moi. Bon, bah, par contre, une fois que toute cette tension est passée, je vais retourner vers lui. Par contre, c'est bizarre quand même. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Il défendait le papyrus. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de lui demander. Non, mais ça avait été défendu. Hein. La plupart du temps, vous regardez les infos, vous faites quoi ? Mais d'un autre côté, tu vois, j'avais très envie de son armure, j'avais très envie de son casque, j'avais très envie de son épée, j'aurais tout récupéré. Bah oui. Mais il m'a demandé un duel dans l'honneur. Tu ne peux pas déshonorer un adversaire qui te demande un duel dans l'honneur. Ça aurait été un bandit qui nous aurait attaqué gratos. Derrière, j'aurais pillé la chair de la peau de ses os. J'aurais tout arraché, les dents en or, tout. Tu sais, tu prends tout, tu t'en bats les couilles. Mais là, il a demandé poliment. Un duel. Il a invoqué Zarkhan. Ouais. Tu peux rien faire, à un moment... faut aller, ouais. Voilà, c'est ça. Je vous reprends dans cet endroit. Après ce moment, quand même, j'ai envie de dire... Je mange un morceau de fromage. Tu manges un morceau de fromage. Okay. Attention, alors, attention, je vais continuer pendant tout le reste de ce live à manger des morceaux de tomes de fromage avec mon petit couteau, parce que j'en ai un depuis le début, c'est sur le design de Barbar, si tu veux. Ouais. De manger son bout de fromage en mode cablot, si tu veux. Et jamais je le lâche. Hein. Alors, la meule sera finie à la fin du troisième live. Regagne 5 points de vie pour l'avoir mangé. Fantastique. Et maintenant, vous deux, vous avez un problème. Vous concentrez tellement le pyro-barbare pue de la gueule.
Ah ouais, ah voilà. Merde, ouais. Donc, ça fouette quand même. Ah, si vous voulez lancer un sort, j'ai envie de dire, ça fouette quand même. Ah, le fromage arcadien. Vous voulez que j'enlève mes bottes, l'odeur vous fera passer celle-ci, si tu veux. Donc, ça fera un cumul d'effets négatifs. C'est ça, le debuff. Ça aura pas pris, je pense, plus de 5 secondes après ce moment très solennel où tu lui remets son armure, tu lui remets son casque. Tu sais, tu fais genre beau duel, tu lui remets son épée, tu prends le fromage, tu mords, et t'es là, bon, c'est parti. Ah bah oui, let's go, et puis il est bon, enfin. Mais il est bon, il est excellent. Tout ce qui vient d'Arcadie, de toute façon, c'est Gauthier. C'est ça. Vous avez les trois couloirs dont vous supposez très certainement qu'ils retournent en arrière, ou ce petit tuyau extrêmement long. Attends. Faudra se faufiler dedans. Par rapport au globe, c'est où les couloirs? C'est le plus éloigné. Ouais, exactement. Tu continues avec la carte, je t'ai dit de laisser ça tomber ça. Donc le globe, il est là? Ouais. Donc genre, ça fait comme ça. On trouve des gars et maintenant, tous les 4 mètres, ils nous diront où aller. T'as pas besoin de GPS. Clairement, en effet. Tous les 4 mètres toi-même. Regarde, on a rencontré la meuf, puis on a rencontré l'or, puis on a rencontré le marchand, puis on a rencontré une belette, puis on a rencontré le soldat. Chemin, tu vois, on va tomber sur des gars, j'ai confiance. Sûrement, ouais, sûrement. Du coup, le couloir, il y a un couloir qui continue. Il y a un couloir qui continue plus loin. Oui. C'est un couloir où il faut qu'on se foute à quatre. Vous allez ramper. Pattes. Alors, le pyro barbare, il va carrément ramper, et vous, il faut y aller à 4 pattes. Ouais. Ok. Avec la meule de fromage. C'est ça. Ouais. La lâche pas, le mec. Bah non. Juste tu peux la mettre dans ton sac. Hein, c'est qui le premier qui entre? C'est qui le premier qui fout ses pieds dedans? Techniquement. Ça aurait été le pyro barbare. Bah il est en train de grailler, donc j'ai des doutes. Techniquement, c'est Billy, je vais faire l'arrière-garde parce que je suis en train de okay. Je laisse passer les petits. Billy, tu mets tes mains dedans, c'est méga chaud ce couloir. Il va falloir te protéger d'une manière ou d'une autre, ou il faut juste passer en courant, mais enfin, on rempart très vite. Mais c'est chaud, genre en mode du soleil. Ou il fait juste chaud. Il y a quelque chose qui a chauffé la pierre, ouais. Ok, mais c'est pas le soleil. C'est pas, techniquement pas, c'est une grotte. Il essaie de caler sa crème solaire partout. Non, parce que... non, c'est pas du soleil. C'est pas du soleil, juste la pierre est très chaude. Le sol est fait en soleil. Ça va, ouais, c'est ça. Il y a un soleil en dessous. Vous ouvrez la porte sur la surface du soleil. Ah, et l'hydrogène. Attends, je remets un peu de crème solaire. C'est ça. Ah, le nucléaire. Tu mets de l'hydrogène. Ah, bon, c'est pas mal. Tu mets de la crème solaire sur toi? Non, mais je cours, du coup. Ok, donc, alors, fais-moi un jet de physique. Ça va, j'ai pas de bonus, je pense. Bah, je suis, puis si c'est pas extrêmement insupportable instant, ben, après, t'as agilité, ça, hein. Ça devient tu très esquiver les dégâts de chaud. Bon, on court, j'ai pas c'est pas un dégât en combat. Je lui dis, il a droit à ça que en combat. C'est marrant, il fait une roulade. Ouais, mais moi je vais pas. Ça ferait pas sens. C'est ça, ouais, bien sûr. Le mec, il est empoisonné, il fait des roulades toutes les 5 secondes pour éviter les. C'est comme les dans Dark Souls, c'est ça. Ça. Rythmé, hein. Pour éviter les rayons de soleil. Pas de bonus. Pas de bonus. Pas de bonus. 78. 78. Aïe, mon pauvre Billy, tu vas perdre. Bon, j'ai 2 points de vie. Voilà, c'est pas ouch, grand chose. Ouch. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Pareil, je vais te faire un jet, pour le coup. Tu perds 0 points de vie. Toi, tu passes beaucoup plus rapidement. Pyro barbare, t'as un problème. C'est un peu serré. Non, c'est un peu serré. Oula, le micro est tombé. C'est un peu serré, mais c'est pas grave, ça passe. La question, c'est est-ce que le fromage fond un peu? Alors, le fromage, je t'ai dit, il est déjà à moitié fondu. Il est tout mou, là. C'est dégueulasse. Là, tu pourrais genre le déguster. Franchement, mais tu pourrais ça. C'est blablabla. Là, tu bloques. Franchement, c'est presque comme une raclette. Tu pourrais vraiment te le descendre comme ça. Absolument, mais c'est le but, en fait. C'est pour ça. Donc, lui, en fait, il est là, il prend son fromage, il frotte contre le bord. C'est ça. Avec des grains de sable, tu sais, quand il mâche. Mais... Bon, par contre, je veux dire, là, t'es en train de te cuire bien comme il faut. Non, mais je me magne aussi. Je voulais dire que je parte en courant, mais t'as le temps, merde, tu passes. Tu me le fais juste à moitié de ta stat. À moitié de ma stat? Ouais, parce que c'est vraiment très serré pour toi pour passer. 85, 42, 43. Par 2, ça fait 42. 42. On va dire que 42 arrondi au dos. J'ai fait 66. Ça cuit. Ouais, bien sûr. Ça cuit sévère. Tu perds 15 points de vie. 15. Ouf. Ouf. Mais est-ce que j'en gagne en mangeant plus de fromage? Non. Je considère que les 5 points de vie que je t'ai donné, c'est pendant que tu manges le fromage jusqu'à la fin de la partie 3. C'est le fromage. Exactement. Donc t'es là et en fait vraiment t'as du mal, ça frotte, ça aurait été bien si t'étais graissé d'une manière ou d'une autre pour passer. Donc t'as Billy qui passe en mode ouch, ouch, ouch. C'est ça. Sarah qui passe en mode aïe, 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 aïe. Et le PV qui passe en mode chier, 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 mais en frottant le fromage quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La crème solaire était pratique du coup. Miel, est-ce que tu viendrais s'il te plaît? Alors que vous débarquez dans cette salle très certainement finale, vous arrivez complètement déshydraté, hein. Vous venez de vous faire cuire dans un petit couloir. Je viens de manger une demi-tonne de fromage, évidemment que je suis déshydraté. Je me mets dans des situations où l'on perd mon pouvoir, mais c'est pas grave. Ouais, mais t'as trop de points de vie, qu'est-ce que c'est? C'est en se noyant qu'on apprend à respirer. Prends un, voilà, ça. Oui, bien sûr. Oui. Du coup, on arrive dans une salle. Et vous arrivez dans la dernière salle,
au fond. On s'hydrate un peu dès qu'on sort du couloir. Un piédestal, ouais. Au fond. En tout cas, moi, je fais ça. Alors, tu fais ça, tu ouvres ta gourde. Ouais. Ça fait pshhh. Ah ouais. Moi, je fais ça, je n'ouvre pas mes gourdes. Ah ouais, merde alors. Bon, bah, ouais, voilà. Au fond, il y a un piédestal avec un papyrus qui vole gentiment. Ah. La pièce est remplie d'objets, de trésors, mais beaucoup plus d'objets que de trésors. C'est très important. Ok, des habits, des armures, des épées, des boucliers, un petit peu de tout, si tu veux. Et puis, vous accueille une djinn. Bienvenue, aventurier. Je suis ravie de vous accueillir en mon antre. Cela faisait tellement longtemps que j'attendais un peu de visite. C'est si compliqué de venir ici. Oh, oh non, ouais. Bah non. Il faut bien un peu de challenge. On n'est pas allé tout droit, en plus. Ah bon? Bah non. On n'est pas allé tout droit, non. Non, c'est pas allé tout droit. J'étais persuadé que c'était juste tout droit. Et depuis le début, j'avais raison. Je disais d'aller tout droit, si tu veux. Prenez place, mettez-vous à l'aise. J'ai rarement l'occasion d'avoir des aventuriers avec qui discuter. Vous regardez, là où il y avait avant juste du sol, maintenant il y a 4 tabourets en bois avec... Okay. Je me pose dessus, tu réfléchis pas, tu poses et je mets... Et dans la tête je me dis, j'ai quand même rien à porter. Hommage. J'en propose un mot, la politesse. Eh bien, merci. Prends un petit match. C'est particulier, t'as jamais vu ça. C'est original. Pourquoi je goûte. Pas. Tu goûtes. C'est... Putain, ça pue. C'est vraiment pas raffiné pour toi. Ça doit être ce qu'on appelle les provisions de survie. C'est... Merci. Écoutez, je me dois de vous rendre l'appareil. Un cookie, du thé, Bière, si vous avez. T'as pas. La bière, ça sera bien, oui. Non, je n'ai pas ça. De l'eau frelatée, alors. Mais assurez-vous qu'elle soit frelatée. Je peux peut-être faire infuser le thé très longtemps. Non. Ça ressemble fort au goût. Ça ressemblera peut-être à la bière. Non, mais de toute façon, le goût du fromage est tellement puissant que ça superpose absolument. Ouais, ça, de toute façon. Qu'on soit bien d'accord, ouais. Ça schlingue comme jamais à cause du pyrobarbare. Je crois que ça pourrait être la première fois de ma vie que je pourrais boire de l'eau sans la sentir. Donc, ouais. Là où tu regardes l'eau, à cause du fait que tu as mangé ce fromage, pendant un vague instant, tu as l'impression que la théière, elle a un petit peu. Fondue. Non, pas fondue. Elle a comme si elle changeait un peu de réalité, tu vois. Genre, ça s'est mis à. L'image s'est agitée. Comme en une vaguelette, puis elle est redevenue stable. Je vais mettre une petite tapote à la théière. Tu mets une tapote là, c'est bon. C'est bon, c'est stable. Il y a uniquement lui qui l'a vu. Hein ? T'as dit quoi ? Il y a uniquement lui qui l'a vu. Bah, il l'a pas encore bu. Enfin, tu tiens. Qui l'a vu. Ouais, qui l'a vu, ouais. Mais nous, si on regarde. On voit aussi des. Oui, vous voyez. Mirage ou de... Non. Tu m'as juste vu mettre une claque à une théière, si tu veux. Ok. Pour qu'elle soit stable et qu'elle arrête de faire de la merde. Ouais, mais ça, c'est bizarre, tu vois. Non, la théière était pas stable et elle faisait de la merde. Ok. Logique imparable. Bon, moi je dirais juste, hein, il y a un moment, enfin vous faites comme vous voulez. Voilà. Enfin, je sais pas, hein, toi qui réfléchis, hein, non, toi mais tu fais, mais. Ça... J'ai pas parlé directement. Vous faites quoi ici? Au milieu de ce désert et dans cette grotte si dangereuse? Eh bien, cela fait. Je ne sais plus. Des centaines, des milliers d'années. Je ne sais plus depuis combien de temps je suis ici. Je garde tout ça et j'accueille les gens comme vous. Et ça fait combien de temps que vous n'avez pas accueilli quelqu'un comme nous? J'ai oublié. Vous avez oublié. Vous avez vu personne depuis longtemps. Très longtemps. Très très longtemps. Et votre rôle ici, c'est bien comme je juste dit. Accueillir. Accueillir. Vous mettre à l'aise. Elle garde les belettes. Parce que bon. Les belettes. C'est de suivre. Il n'y a pas de belettes. Mais les belettes du village avec la statuette. Oui, mais actuellement là, il n'y a pas de belettes. Non, mais il n'y a pas besoin. Regarde autour de toi. Il n'y a pas de belettes. Mais clairement, il y a un truc qui se passe. Elle porte des broglols à l'infini. Il y a une statue d'elle au milieu des belettes que j'ai remplacée d'ailleurs par un caillou extrêmement beau, on le dit, évidemment. Puis les gens ne sortent pas de la grotte, donc. Clairement, c'est une divinité mineure des belettes. Mais vous avez dit vous-même que vous aviez souffert ou traversé moultes aventures pour arriver ici. Oui, bon, oui. C'est vous devez l'être accueilli correctement. Je vous félicite. Vous êtes arrivé au bout de votre quête. Ouais, merci. Du coup, on peut récupérer ce qu'on est venu chercher et. Ouais, moi, j'aimerais bien sortir. Correction. Sortir, ou bien correction. On peut mettre le feu à ce qu'on est venu chercher. Je crois qu'avant toute chose, de la grotte. Est-ce qu'on peut reporter ça, genre dans, juste genre dès qu'on sort de la grotte, on peut brûler après, mais juste. Mais je crois qu'avant toute chose, la bienséance. Il a été déterminé par un duel d'honneur avec un serment qu'on y mettrait le feu, donc vous prendrez ce qu'il en reste et puis c'est tout. Vous avez plusieurs papyrus. Non. Oh. Mais je crois qu'avant tout, la bienséance veut que nous partagions. Comment appelle-t-on ça? Le verre de l'amitié? Ah bah voilà. Donc je sers du thé et je leur tends des cookies. Ah, et parler d'un. Je peux faire un jet quand même pour genre.
vous faites ce que vous voulez, j'ai où son jet. Bah, analyser, enfin, ce qu'elle donne, genre. Elle, alors, je te fais déjà le jet d'analyse, elle te donne des cookies, ouais. Enfin, est-ce que tu t'y connais en pâtisserie? Non. Il y a un truc de suspect, suspect, non, non. Enfin, moi, peut-être, mais ça, c'est à toi de définir. Hein. Moi, les cookies, je mélange ça pas me paraît louche. Fromage, donc, moi, ça me paraît clairement louche. Enfin, on arrive dans cette grotte, il y a personne qui en sort jamais, puis on arrive au bout, puis on est là, genre, ah, vous on savez va quoi manger des cookies. On vous remercie pour ce magnifique temps qu'on a passé dans cette grotte, et nous, on va vous donner deux, trois choses à manger. On a un peu de chair de scorpion, si vous voulez, c'est très bon. Du fromage aussi. Vous refusez mes cookies. Moi, j'ai pas très faim, en fait. Je suis extrêmement vexée. Poison de scorpion. Ah, elle a pris, bah, c'est tant pis pour vous. Moi, j'ai pris un morceau de fromage et je mélange pas le sucre et le fromage. Ça se fait pas. Sinon, les fringues, ils sont à vous, parce que... Ouais, c'est très beau. Hein. Je regarde non, tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a quand même pas mal de merdier. Il y a pas mal de merdier, ouais, mais... C'est quoi ce qu'il y a autour? C'est des habits, surtout. C'est de l'équipement. Des fringues, des matos, des bottes. Sinon, c'est à vous, tout ce matos, parce que j'essaie d'analyser comment elle s'est fait une tenue comme ça avec le matos autour. Peut-être l'équipement des autres aventuriers qui ont disparu, ouais. Peut-être. C'est à moi, oui. Vous l'avez récupéré comment? Je ne crois pas que cela vous regarde. Elle a raison. Si on lui offre des slips, c'est pas à nous de poser la question. Vous vous amusez à porter tout ça quand vous portez pas ça? Je vous l'ai dit, je vois très peu de monde, je m'ennuie. Je m'occupe comme je peux. Est-ce que vous faites des pièces de théâtre avec tous ces costumes? Est-ce que vous avez le matériel pour? C'est à taille humaine, pas à taille, humaine. De l'autre. Ouais. Tout est à taille humaine ici. Il y a pas de... C'est pas un théâtre dans la ville des... Il y avait un théâtre dans le truc. Il y avait un amphithéâtre. Il y avait un amphithéâtre, ouais. Ouais. Il y avait une statue. Une statue, vous avez pas vraiment eu le temps de la voir plus en détail. Hein, passé. Tout de suite. Vous avez peut-être manqué des indices dessus. Tout à fait sproch. Non. Bah, si vous faites chier ici, pourquoi pas aller ailleurs? Mais je ne peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On m'a demandé de rester ici. Oh, on a dû vous demander vachement poliment pour que vous puissiez pas bouger. Parce que... Je suis obligée de garder cette chose-là. Blatnet, vous êtes obligée de rester? Le dieu du savoir? Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Ah, attends, on est d'accord que ce machin, c'est le papyrus de machin qu'on cherche. Oui, hein. du savoir. Ouais, bien. je viens de faire un duel d'honneur pour savoir si on pouvait cramer ce papier parce qu'apparemment il est dangereux. Ça dérange ou... Je crois que ça dérange, oui. Ah, développé. Eh bien, je suis là pour protéger ce papyrus. Mais pourquoi? Je suis à cœur, mais ne pensez pas que je vais vous laisser faire tout et n'importe quoi chez moi. Non, mais c'est une évidence, mais... Et c'est pas pour autant qu'on s'empêcherait. Cependant, pourquoi protéger ce papelard si ça vous fait chier et qu'en plus il est dangereux? Voilà, exactement. Pourquoi le garder? Il n'y a aucun intérêt, quasiment. Si c'est on ma le mission. Prend, après, vous êtes libre et puis vous pouvez partir. Hein. Bon, je ne suis pas sûre que je sois libre. Ah bon? Est-ce que vous avez au moins essayé? Parce que si vous n'essayez pas, vous ne pourrez jamais savoir. Évidemment, très vrai. Attends. Je ne comprends plus rien. Le pire au barbare réfléchit. On l'a fait frise, merde. On comprend plus rien. On a une meuf qui est habillée en guirlande, qui refuse de lâcher un papier qui est maudit, alors qu'elle se fait chier à le garder parce que ça l'emmerde, tandis que tout le monde la veut et que des mecs nous empêchent de venir pour essayer de le choper, alors que cette dame le garde et qu'apparemment elle a la capacité de le protéger. C'est que ne sera pas même plus de qui lui a donné cette mission. Non, mais ça, c'est normal, j'oublie tout le temps tous des trucs comme ça. Ne reproche pas ça aux autres, Béli, c'est mesquin de ta part. mais. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on fout là? Moi je propose, on sort, on trouve. Machin. Bandito. Truc. Quoi? Bandito. Là, on lui casse la gueule, on trouve sa famille, on lui casse la gueule. Non, on casse pas la gueule à sa famille. Non, à Bandito. Oui, à Bandito. On sauve ma famille. En plus, il y aura un honneur à massacrer des femmes et des. J'ai pas dit de les massacrer, j'ai dit de leur casser la gueule. Il y aura un honneur à faire ça. On s'y fait, je n'aime pas ça. On s'y fait, genre. Ça leur apprendra à se faire kidnapper. Non, mais on les pas leur faire du mal. Écoute, t'as affronté trois scorpions, t'en es sorti. Ils vont s'en sortir. Ouais, mais grâce à vous, donc ouais. Ah, ça, là, ce sera grâce à eux. Voilà. S'ils ont mal, oui, en effet. Absolument. Très bon, je fais une réflexion. Bon, bah, du coup, madame, on va pas vous déranger plus. Hein. Je commence à me lever pour me tirer, si tu veux. Mais le duel d'honneur, bébé. T'as promis de détruire ce parchemin. très bien. Mais ça fait toujours aucun sens, du coup. Et ça me dérange. Oui, mais la seule chose qui fait sens, c'est le duel d'honneur.
Oui, mais non, parce qu'il faut que ce soit pour les bonnes raisons. Ouais. Mais c'est pour les bonnes raisons. Non, mais la bonne raison. Zarkhan, il a perdu face à Issia parce qu'elle était folle. À un moment, on tape pas les fous. Ça se fait pas. Oui. Et clairement, si cette femme se souvient plus pourquoi elle garde un parchemin démoniaque alors qu'elle devrait pas le garder, alors qu'on se défend contre des parchemins démoniaques que les gens essaient de choper parce qu'il y a des trucs démoniaques dessus, alors qu'elle se souvient même plus de pourquoi elle fait ça et que de toute manière elle le garde de manière parfaite vu qu'il y a aucune chance que personne réussisse à le choper vu qu'apparemment elle arrive à s'en défendre alors qu'elle se souvient même plus pourquoi elle fait ça. Oui. Ça fait aucun sens. Oui, ça fait aucun sens. On n'attaque pas les fous. On peut chronométrer ce monologue si on veut. On prend le parchemin et on se casse. Le niveau des aventuriers a drôlement baissé en 1000 ans. Vous avez fait des saucisses. Ça pique, hein. Non, mais je vis bien. Ça m'atteint pas, de toute manière. On essaie de prendre le parchemin. Bah, bien sûr qu'on le prend. Moi, il faut que je le sorte voilà. De là. Est-ce que c'est un truc de mec intelligent, mais en fait débile? C'est possible. Pierrot voilà. Barbare. Est-ce qu'il y a genre une énigme ou un truc comme ça? Non, il y avait une porte de l'énigme. Tu veux te relever. Il n'y a pas passé. Tu regardes un peu autour de toi, et tu vois la belette avec un œil qui s'enfile dans les habits. Ah oui. T'as levé la pression, cette belette. Ah, celle qui t'a regardé avant, là. C'est ça. Vous la connaissez, cette belette, ou bien? Parfois, elle vient de me rendre visite. Elle? Intéressant. Donc vous n'êtes pas si seule. Oui, enfin, une belette, ça a quand même un discours assez limité. Peut-être. C'est pas la seule. Et pourquoi elle est vexée comme ça? La belette? Bah oui. Qu'est-ce que j'en sais? Vous l'avez déjà croisée auparavant? Bah oui, elle met la pression, la belette. Vous lui avez parlé comme à moi? Ça parle pas, une belette. Je vous ai dit, elle est folle, on se casse. Il a regardé un temps. Oui. Tu veux te casser? Tu peux te casser. Non, mais... Non, bébé, reste. On doit résoudre ce problème. Écoute, moi, je me pose là, je mange mon fromage, trouver des solutions, et quand on doit cogner des trucs, vous me dites. Oui. Bon, ça marche. Le parchemin, il vole, il flotte sur son piédestal, en fait. Ok. Je peux aller l'observer, mais pas le prendre. Bah, tu vas l'observer, ouais. Elle réagit. Sacré parchemin. Ah, moi, ça, je vais l'observer aussi. Quoi ouais. Je vais pas toucher à mes joueurs. Moi, je le suis. Je suis devant le piédestal. À quelques mètres. Je tourne autour pour... Ouais. Je m'approche de toi, je te passe la main sur l'épaule. Bel objet, n'est-ce pas? Il est magnifique. Mmh. Il ressemble à quoi? C'est un papyrus normal? C'est un papyrus normal enroulé qui flotte. Il a pas grand-chose de particulier, en fait. Hein. Juste un bout de papier. J'arrive à deviner les écritures intérieures? Non, il est fermé. Il est complètement fermé, il n'y a rien qui... Il a un petit sceau dessus. Ok. Je reconnais le... Non. Non, rien sur le sceau. Okay. J'espère que ce n'est pas une énigme à la con où il faut échanger quelque chose de précieux pour quelque chose de précieux parce que j'ai qu'un Billy. Hein. Ou une Saras. Mais je ne sais pas si c'est précieux. Ah, t'es devenue précieuse. Ouais, mais je ne ouais. sais pas si c'est précieux. J'ai pas entendu la fin de la phrase. Des fois, j'entends pas. J'ai pris un coup avant. Vous êtes sûr que vous vous rappelez plus de pourquoi vous le gardez? Parce que... C'est un si bel objet, mais c'est quand même bizarre de ne plus se rappeler. Mmh. Une personne assez puissante m'a contrainte de le faire. Vous a contraint? Donc il y a un sortilège qui vous retient ici. Je suis une djinn. Je suis à la merci de ceux qui souhaitent certaines choses. Oui. C'est qui souhaite? Putain. Je ne sais plus. Ah. Ça fait trop longtemps. Tu te souviens d'un détail quand même sur cette personne? La seule chose, c'est qu'il a ri lorsqu'il m'a confié ce parchemin. À gorge déployée. C'est tout. Alors, ça peut pas être Zarkhan. Non, c'est pas Zarkhan. Ah bah non. Ça peut pas être Zarkhan. C'était peut-être c'est juste Paradikos. Pour se moquer de son sort. Paradikos. Parodikos. Parodikos. Oui. Parodikos. Ah bah pour le trouver, bonne chance celui-là. Hein. Dieu du rire et de l'absurde. Je connais des blagues salaces, mais pas sûr qu'ils viennent. Hein. Je t'entraîne un petit peu, en tout cas je te pousse à t'éloigner du... Du coup, c'est... Parodikos qui vous a donné le... Je vous l'ai dit, je ne sais plus. C'est un cookie? Un gnome chauve avec une salopette et des blagues salaces. Voilà. Ça fait trop longtemps. Oh la vache. Je t'ai dit, rien à tirer des folles. On se casse. Mais non, elle t'a tendu un cookie. Sinon, on prend le cookie. On prend le parchemin, on prend les cookies, on la prend elle, puis on sort. Je prends le cookie et je le mange. Ok, attends. Ah, attendez. Attends, c'est vrai qu'attends, il y a un point là, une seconde. Attends, tu soulèves un truc. Oui. Vous gardez le parchemin. Oui. Vous gardez pas la stèle. Non. Vous pouvez toucher le parchemin. Évidemment. Bah, prenez le parchemin. Et puis déplacez-vous avec et gardez-le en visitant le monde et en faisant des trucs marrants, genre dehors. Genre vous mangez, vous pêchez, vous buvez des thés, vous faites des cookies. Mais vous avez le parchemin.
Vous avez l'air assez suffisamment balèze pour être au fond d'une caverne où il y a des tas de conneries et des escaliers qui font beaucoup de sens. Il marque un point. Pour vous trouver au fond de cette lettre. Donc, mais... prenez le parchemin, sortez et cassez-vous. Mais il y a un gros mais. Attendez, attendez. Il serait vachement mieux protégé d'ailleurs, parce que personne ne saurait jamais où il est. Attendez, il y a un gros mais. Vous vous retournez, vous regardez Billy. Hein. Billy, il a de la fourrure. Ah, la puberté, enfin, putain, j'y croyais plus. Il a mangé le cookie. Il a mangé le cookie. La, la puberté, enfin j'y croyais plus. Tu, Pierrot Barbare, t'es en train de le regarder, et à vue d'œil, ton Billy, il est en train d'aptissier. Oh, je me précipite sur lui. Oh, mon petit. Du lait, il faut du lait pour faire grandir. On a la réponse de doubler les bolettes. Voilà. T'es gentiment en train de réduire en taille. Bon, ben, faut pas manger de cookies, faut pas boire de thé, et puis faut qu'on... sauf Billy, puis le parchemin, quoi. Manger de cookies, non. Ton Billy est en train de se transformer en bolette. Hein. Ouais, clairement. Je vais me tourner vers la domadière et dire, bon, je vous ai offert une solution gentiment. J'ai pensé au lieu d'agir. Mais là, il est temps d'agir 5 secondes. Ce Billy, il est bien, il est molletonneux et je suis sûr qu'il tient chaud la nuit. Mais on va me rendre le Billy que j'avais avant, sinon vous n'aurez pas l'apparence que vous avez avant. Attendez, laissez-moi réfléchir. Et non. Tu veux dégainer, tu cognes. Je me regarde, je me retourne vers Billy Belette, si tu veux, je... Mais Billy Belette, lui, mort. T'es en train, vraiment, de te transformer d'un humanoïde en Belette. Je garde ma conscience. Pour l'instant, ouais. Et quand je serai en full Belette, non. Ah bah... Tu piornes. T'as vu plusieurs Belettes jusqu'à maintenant, il y en a une qui t'a parlé? Non. Non. Bon, eh ben, on va faire un truc spécial qui s'appelle « Comment détransformer Billy de Belette à Billy en échange de garder ses bras ?» Comment t'attaques du coup? Non, d'intimidation encore une fois, une dernière. C'est la dernière avant de lancer une attaque, voir si elle sort encore un truc ou si elle s'obstine. Ok, je suppose que tu t'obstines. Ah grave. Parce que ultimement, j'ai pas de raison de l'attaquer pour de vrai. J'ai des raisons de savoir comment on détransforme Billy. Une fois que Billy est détransformé, on retourne sur le Mexican stand-up d'avant et nous on se lève, on se casse. C'est ça. Encore une fois, j'ai pas de raison réelle. Ouais, il a raison. En plus, il avait trouvé une solution pour que tu partes. Donc elle est une mauvaise foi, mais elle était folle de toute façon. Elle va pas prendre la solution. Ça compense un peu le fait qu'il m'ait traité de folle, qu'il ait refusé mes cookies, mais je suis quand même un peu vénère. Ouais, ça je veux bien croire. Ouais, ouais. Mais j'ai remplacé la statue avec un caillou qui était encore mieux. Voilà. C'est vrai qu'il y avait une J'ai offert du fromage, vraiment. Un caillou à la place de ma beauté. Il y avait une belette dedans. 49, ça passe. En physique, on a Social ou physique, c'était l'intimidation, quoi qu'il ait dit. Alors, l'intimidation de base ne passe pas. Elle n'a pas l'air d'être sensible. Du coup, est-ce que tu attaques? T'as dit que t'allais lui mettre un coup de hache. Elle me donne pas d'indication sur comment... Non, que dalle. Par contre, elle est en train de prendre Billy et elle est en train de lui faire des caresses. Et puis c'est... Il est mignon. Oh, il est joli. Oh là là. Très bien. Je m'approche du parchemin et je tiens la bouteille juste au-dessus. Et je lui dis, attends. Tu tiens mon Billy, je tiens ton parchemin. T'as 10 secondes pour moi, mon Billy, comme il était avant, où je te jure que le parchemin, il finit en flammes. Et attention, tu sais ce que c'est de l'huile crâne lornienne. Attends, Pierrot Barbare. Tu pousses ta main contre, au-delà de la plateforme, et en fait, bah, t'arrives pas à... T'arrives pas à avancer ta main. Il y a une sorte de protection, si tu veux, autour. Bon, bah dans ce cas, je mets du feu sur la hache, et puis je prépare le swing, si tu veux. Dans la barrière. Si pendant ma menace, ça marche pas, et que je vois que ça marche pas, tu réadaptes. Ok. Tu réadaptes et t'attaques, et tu fais attention, parce que le parchemin, il est joli, mais un bon coup de hache crâne lornienne en acier arcadien, lancé à 320 km/h dans ta vitre, machin, tu sais, et tout, il s'avère un truc que, et je rappelle, si tu as lu le tome, dedans, il y a un objet qui fait que... Ça, je me demande ce que ça fait, parce que je me souviens qu'il y a l'objet. Mèche, c'est la mèche de cheveux du grand-père, je rappelle, qui a été bénie par Zarkan en putain de personne. Donc c'est pas de la merde, cette lame, en fait. Ouais, ok. Avec ça met des sacrées quiches. Et ça met des quiches à des trucs qui, normalement, devraient pas perdre. Parce que c'est une lame à Zarkan, et Zarkan, c'est l'adversité. Il va nous faire un revers à la Vénus William, ça va saigner. Non mais justement, c'est dans le sens où... Mais là, en fait, elle me pousse à faire ça, parce que, pour une raison qui m'est obscure, elle s'intéresse... Enfin, elle protège un parchemin qui sert à rien, mais là, elle a transformé mon Billy en oreiller. C'est sympathique. Mais je veux qu'elle fasse l'inverse. Si elle fait l'inverse, les menaces tombent. La désescalation, ça existe en Cranelord. Sauf qu'il n'y a pas de missiles, il y a des haches. Il a raison sur le fait que s'il met une quiche là-dessus et que tu renforces pas, ça passera à travers. Ah. Par contre, tu peux t'occuper du barbare direct. Oui. On est d'accord. On va faire ça. D'accord. Donc toi, tu prépares ton swing. On est d'accord que t'es intimide là. Ah bah oui. Ouais, okay. Si elle bouge. Et quand tu fais ça, t'as Zarkan en personne en face de toi. Oh. La grotte a disparu. Oh. Tu te retrouves dans une arène à duel. Oh. Le siège de Zarkan derrière. Oh, c'est fantastique. T'es face à Zarkan. C'est fantastique. Il se lève de son trône avec son magnifique casque et fait approche.
il dégaine. C'est parti. Alors, bah, merci, je pars. Non, mais c'est juste en mode, viens, ça va switcher, quoi. Objection. Lorsqu'un crâne lornien meurt et se retrouve face à Zarkhan, Zarkhan est censé lui dire comment il est mort. Tu n'es pas mort. Tu te souviens ce que je t'ai demandé dans ton plus grand désir ? Ouais, je sais, absolument. Mais d'un côté, c'est que c'est suspect de doute de ouf. Parce que pour le pyro-barbare, c'est merci, complètement suspect. C'est suspect de ouf parce que... Ça m'excite, mais ça sonne mal. C'est vraiment quelqu'un dans la rue te saute dessus et te fait l'amour, mais t'as pas dit bonjour, si tu veux. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Si elle t'a dit bonjour, il se fait. Il y a pas de problème. Et tout le monde réagit qui est mort de... Non, mais oui, je pisse les yeux. Tu pisses les yeux, donc... Est-ce que j'ai le droit de pisser les yeux avec un jet mental? Tu as le droit de me faire un jet mental. Bon. Tout à fait. Et, parce que tu as mangé le fromage... Ça va, pue tellement que ça retire de la concentration à miel. Donc tu as un bonus de 10 à ton jet. Incroyable. Je sais pas si ça suffira, mais... 25, ça passe. Ça sur passe. 45, ça passe. Ça passe. Heureusement que t'as le fromage. Tu regardes, c'est suspect. Tu es clairement au courant. Tu n'étais pas dans ta réalité. Ah bon? Ouais. Ah, elle me trompe. Ouais. Elle me trompe avec un défi à Zarkhan. Ouais. Je finis mon swing dans le paplard et je m'occupe d'elle derrière. Alors parce attends, que là, c'est Zarkhan devant toi toujours. Hein. Bah, t'es toujours bloqué dedans. Que c'est pas Zarkhan. Non, mais ouais, façon, c'est pas... lui il sait que c'est pas Zarkhan, mais t'es toujours. De toute façon, que ce soit le papier ou Zarkhan ou quoi que ce soit, je swing dedans à full force, ça n'a pas d'importance. D'accord. J'aurais traité les deux de la même manière parce que soit c'est de toute façon la réalité dans laquelle je me trouve, même si c'est une fausse réalité, est une illusion et ma propre réalité. Donc de fait, j'ai pas à me poser la question, c'est une illusion ou pas. Donc parce que c'est la logique. Si c'est Zarkhan, le swing, il le prendra bien dans la face, et c'est tout ce qui est digne. Si c'est pas Zarkhan, il prendra le swing dans la face parce qu'il m'a énervé. Et si jamais ça brise des illusions derrière et qu'elle, elle traîne encore dans un angle d'environ de rayon de 5 mètres de moi, il y a des attaques préemptives qui vont se perdre. Parce que là, l'insulte, elle est max, si tu veux. Alors, le scénario, il est écrit comme il est écrit. Tu mets un swing, fais-moi un jet quand même avec un malus de 50. Avec un malus de 50, ouais, parce que t'es en train de swing quand même, en fait. 18, non. 85, bah oui. 85 moins 50, ça fait 25, ça fait passe. 18, ça passe. Il réussit tout. Tu mets un coup, ah ouais, pas mal. Alors, c'est insolent. Tu te rends compte qu'en fait... Mais c'est elle qui est insolente. Moi, j'offre des solutions diplomatiques, des solutions intelligentes, des solutions qui sont fantastiques. Elle est là, non, elle est folle. Et après, là, ça me vexe, il me dit que je suis folle. Mais meuf, à un moment... Mais tout est folle. À un moment, ça s'appelle la hache. Oui. Après, les escaliers marchent très bien. Ça, par contre, irréprochable. Tu mets un swing droit à travers l'illusion et tu, en effet, déchires l'illusion. Tu reviens à toi. Le problème, c'est que t'aurais vraiment bien voulu faire ce duel contre Zarkhan. On est d'accord. Mais oui. C'est pour ça que je suis énervé. Ouais, mais attends, justement. Quand tu reviens à la réalité, c'est comme si elle avait frappé ton amour-propre. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Elle m'a frappé mon amour-propre. Elle m'a insulté. Tu reviens quand même à une réalité où Zarkhan n'est plus là devant toi. Bien sûr, mais je suis énervé de ouf, je cherche la lanterne si tu veux. Donc toi, tu considères que ça t'a pas fait trop mal? Ben non, enfin, comment dire? Non, en fait, c'est pas que ça fait mal. C'est ça qui est important. Ça ne blesse pas l'amour propre. Justement. C'est une insulte. Là, je te propose que ça blesse l'amour propre. Imagine qu'on propose tout ce que tu as toujours voulu. Si tu n'avais pas lutté, tu aurais pu réaliser l'un de tes plus grands souhaits. Mais non, puisqu'il était faux. Oui, mais ça, c'est parce que tu t'en étais rendu c'est compte. C'est le fait que... Oui, oui, c'est juste, il s'en est rendu compte, parce que oui, du coup, le fait que c'est le fait que c'est faux qui me vexe. Voilà. Elle m'aurait tué, elle m'aurait décapité net et je serais mort. Zarkhan aurait dit, tu es mort ainsi, maintenant bats-toi, guerrier, let's go. Tant pis pour Billy, tant pis pour tout ça. Il se démerde, il est grand maintenant, alors, il a la puberté. Il a la puberté, il a des poils partout et tout. Ça y est, il est grand, et puis peut-être avec Sarah, il se passera des trucs. La lignée est assurée, si tu veux, c'est pas grave. Moi, je te laisse gérer, parce que du coup, lui, il sort de l'illusion, et en effet, t'es au courant. C'est que vous n'avez pas pigé qu'un avatar de Zarkhan fera tout dans l'adversité et que pour lui, les chances sur 1 milliard, c'est 9 sur 10 en fait. Oui. Vous avez... c'est pour ça, vous n'avez pas c'est compris. C'est un peu ça. Ce jet-dé quand même, qu'on soit bien d'accord. Oui. Complètement. Non, mais là, il m'énerve. Je veux dire, il n'a pas respecté en guillemets le protocole, il a refusé mes cookies, il m'a insulté et tout. Donc j'ai offert du fromage. Mais tu butes la gueule. Et après, je refuse les cookies parce que je peux pas les sentir à cause du fromage. Un autre descend aurait compris, si tu veux.
Je lui balance tout ce que j'ai. Hein. Ok, alors, juste que tu comprennes. Tu sors de cette illusion et tu vois en effet Miel qui te regarde et qui te rebalance dans des illusions. En gros, elle essaie d'attirer ton attention dans ta plus grande réalité. Avec le succès que je me suis tapé, ça marche plus, je vais avancer en ligne droite. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est Josuke qui passe à travers Heaven's Door en mode je m'en bats les couilles. Mais t'es en train de tailler ton chemin vers quoi? Le papyrus ou vers Miel? Vers Miel. Ok, donc t'arrives vers Miel. Et là, tu fais un swing avec un bonus de 10. Merci. Sans offense. Là, si tu rates. Parce que le papyrus, j'en ai rien à foutre. C'est elle qui en a quelque chose à faire du papyrus, si tu veux. Le papyrus, je le crame. J'ai fait 12. Tu mets une de ces pétées. Je mets 12. Est-ce que t'as regardé Bleach? Hein? Tu connais Bleach? Très peu, malheureusement. Très peu. C'est le seul que j'ai pas maté. Mais... Moi, j'allais dire que tu mettais un Gatuga Tencho. Ah, ça, je sais ce que c'est. Voilà. Tu poses une petite lame, genre, ça fait un petit tracé, si tu veux, dans la roche. Par contre, t'es passé droit à travers Maud. Maud est intangible. Ouais. Oh putain, et en plus, elle est pour de faux. Ça pique, ça fait mal. Fais-moi un jet social. Billy, tu peux réagir, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être encore honnête. Regarde ce vin en social. C'est dégueulasse. Pendant qu'il fait ça, moi, j'essaye de m'approcher du papyrus et voir, on peut pas l'attraper, c'est non, ça? Non, je peux pas l'attraper. Physiquement, j'arrive pas à prendre. Il y a une barrière, ouais. Okay. Je crois qu'entre deux interactions, je lui fais « Touche pas ça !» Est-ce qu'on vient de passer à travers toutes ces illusions, de briser sa plus grande illusion et de lui faire des vrais dégâts qu'elle a peut-être pas senti depuis 10 000 ans J'étais justement en train de et réussir mon jet social. Mais laisse-moi dire. Est-ce qu'à un moment, elle a une transpiration légère, une légère sudation sur le côté de la goutte quand même. Là, c'est plus qu'une sudation. Là, tu la vois, elle, qui devient gentiment... disparaît un petit peu et revient. Moi ça me fait rire parce que de son point de vue, c'est littéralement un hamster. Parce que divine, tu vois. C'est un hamster qui est sorti de sa cage, qui commence à l'attaquer, mais qui gagne. Donc tu sais, tu commences à transpirer comme ça parce que le hamster est en train de gagner. Je suis humilié. Ça, on est d'accord. Oui. Voilà. Non, elle a pas du tout kiffé ce que tu viens de dire. Bah, moi je suis toujours. Je suis où? T'es en train de te transformer en belette à côté de Saras en fait. Il se passe rien de particulier pour toi, hormis que t'es bientôt une belette. Est-ce que tu peux essayer de trouver son. Le point d'origine, tu vois quelque chose? C'est une jean. C'est une jean. J'arrive à trouver un objet qui a Tachel. Non. Je ne remarque rien, non. Pas que je sache, dans l'univers. Rien, pour l'instant, tu n'as pas l'idée à construire. Non, il n'y en a pas, non. Bon, voilà. Donc, non. Mais j'ai réussi. Avant, elle m'a touché. Avant, elle t'a fait l'illusion de te toucher, le point de passer. Donc, j'ai pas forcément le contact avec elle. Non. Bon, je vais essayer de faire quelque chose avec le parchemin. Qu'est-ce que tu veux faire avec mon pauvre parchemin? Je vais essayer de me faufiler. Je suis accepté maintenant. Il y a pas de trou en fait. Si tu veux, c'est vraiment. Il vole, tu peux il pas. Il vole, c'est un anneau qui le protège. C'est comme un champ de force. Tu t'approches. Alors, le coup de l'âge du bureau barbare, ce serait passé à travers. Hein, mais quand je me bats, je vais quand même dire à Billy: Billy, elle fait semblant, t'es pas vraiment une belette. Bah oui, là je suis pas vraiment une belette. Ouais, parce que tout ce qu'elle fait, c'est faire semblant. Ouais, presque. Donc, ça... Non, mais elle fait semblant, donc s'il s'illusionne assez fort que c'est pas une belette, ce sera pas une belette, si tu veux. Je vais faire un jet mental avant, je vais pas donner un jet mental, mais bon. Et attention, parce que j'aurais mangé le cookie, ça se trouve, je serais encore plus dangereux, c'est ça le truc. Oui, parce que non seulement je serais armé de ma hache, mais j'aurais des griffes, enfin bref, une belette énervée, pire au barbare, c'est encore pire qu'un. Mange pas belette. Les cookies. Mange pas les cookies. 60. Ah, ça passe pas, c'est pas grand chose. Ça ne passe pas. Malheureusement, l'illusion de belette est forte. Attends, et elle donne des malus quand même, Miel. Faut pas déconner non plus. Attends. Ça n'a pas de bonus d'être une belette? Non, pas mentalement. Genre à l'odorat quoi. T'avais un malus de 20. Juste. Okay. Non, tu ne désors pas de la belette. Bon, par contre, vous avez compris comment la combattre, hein. Faut juste y aller. Bon, bah, je vais aller donner des coups, hein, après. Mais je vais faire quelque chose, genre. Je peux faire quoi d'autre dans ce cas-là? Être doux. Sortir et mordre. Je vais aller lui mordiller les pieds. Tu vas la mordiller, elle est intangible. J'ai mordillé très fort. Elle est intangible. Sarah, pitié de moi. Je veux dire, le pur barbare, il a compris. Dents, tu sais. Bah, j'ai pas compris qu'elle était intangible. J'ai mis des coups dedans, ça lui fait des dégâts. Non, non, non. C'est pas les dégâts qui lui ont. C'est pas les coups qui lui ont fait mal. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ce que t'as dit derrière. C'est son amour propre qui est blessé. Ah, parce que je l'ai insulté, parce que j'ai dit que ses illusions, c'était un truc de pacotille. Qu'elle savait rien et qu'elle était folle. Pacotille. Ça, c'est la réalité. Mais qui es-tu, toi, Pierrot Barbarin? Pauvre aventurier, qu'est-ce qui fait ta force? Ta hache, mais tu n'es rien sans ta hache. Ne voudrais-tu pas d'immenses pouvoirs? Je suis sans dépendre d'un objet? Je suis peut-être rien, mais pour l'instant, t'es ma victime. Je continue à mettre des gifles. Donc tu mets des gifles.
Bah, et le pire, c'est que la hache, machin, c'est pas que ça porte, mais ça peut porter, si tu veux. Le gars, il essaye, il se dit, bah, il y a un moment, ça va passer, quoi. Tu sais, si tu mets des coups, puis bah, ça passe à travers. Sans déconner, enfermé dans cette caverne pendant des dizaines de milliers d'années, tu te souviens même pas qui c'est qui t'a demandé ça, et toi tu restes là comme une bonne chienne, c'est gentil. Tu prends même pas le papier pour te balader, ah gna gna, alors je me protège, et bah tu sais quoi, moi je protège mon slip, et bah il est toujours sur moi. Et puis j'offre du fromage, elle le prend même pas, elle sert à rien. Hey, folle. Voilà, et au moins si tu vénérais Itia, il y aurait une bonne raison, et en plus il y aurait du cul, tu sers à rien. Je continue, mais t'es chiant. On fait manger. Ma jeune sociale, tu vas me faire sentir que j'ai un duel avec Zarkad et c'est même pas un vrai duel. Vous savez quoi, les règles, franchement, là, ça sert à rien. On va dire que j'ai si mal. Tu étais là, genre, tu m'as donné le bonus, le social, bah, et ça passe. Alors, oui, mais ça fait. Tu sais, c'est l'équivalent de ouh. Ça va me prendre des dégâts, alors, genre, à la rallonge. Voilà, c'est ça. Alors, si maintenant, au lieu de ressembler à un poster et être un truc de guignol, tu finissais par ressembler ou à servir à quelque chose, tu sortirais avec ton parchemin à la con et on vivrait des aventures incroyables. Mais au lieu de ça, je vous verse du thé. Vous mangez pas mes cookies. Bonnette. Je mets des billets. Alors, okay. Je m'attendais à une scène comme ça, non, je m'attendais pas à ce niveau. Alors, au milieu de tout ceci, à un moment, j'ai jeté ma hache à travers, hein, et ouais. J'ai commencé à prendre des rochers et des morceaux complètement pour les jeter aussi. Mais c'est vraiment la rage à l'état absolu, si tu veux. Ouais. Y a pas de... En même temps, elle a vraiment tapé, pas dans l'amour propre, mais elle m'a menti. Et ça, c'est inacceptable. Tu peux être un lâche, tu peux être faible. Tu peux être inutile. Tu peux avoir très peu d'espoir ou peu de chance d'en sortir. T'as toujours quelque chose d'en sortir. Mais être un menteur, ça c'est inacceptable. Alors. Donc. Enfin, mentir c'est autorisé, mais pas pour des trucs comme ça. Exactement. Niel. Oui. Tu gentiment te mets à fondre en larmes. Puis ça devient des torrents, vraiment ça coule, ça se remplit sur le sol. Je m'arrête pas. Et voilà quel chial maintenant. Puis, je vais te donner une bonne raison de pleurer. Je mets un rocher dessus. Tu mets un rocher dessus, elle est toujours intangible. Donc tu vois là, tu mets des rochers, mais je tu la vois. Je l'empile dans des rochers comme ça, tu vois. T'as un tumulus, c'est une tête qui sort. Et à force. J'en fais un bonhomme de pierre. Puis t'as juste une flaque d'eau qui s'écoule. Mais elle m'a énervé si tu veux. Attendez. Alors que tu fais ça, que tu l'empiles. Bah tu remplis complètement Maud, j'ai envie de dire, qui juste disparaît. La grotte entière soudainement se met à trembler. Vous avez un bon tremblement de terre comme il faut. Je donne un grand coup de pied dans la Maud de pierre qui l'a redétruit et la révèle du coup, parce que continue à l'attaquer. Tu mets le coup de pied, elle est plus là. Tu continues à l'attaquer quand même. Rends-moi mon Billy. Au moment où elle est plus là, moi je regarde si on peut choper le... Tu regardes pour essayer de choper le parchemin. On y revient. Oui. Rends-moi mon... Mais tu te retournes. Ouais, Billy, il te touche l'épaule. Non, mais je suis là. T'es là, Jonas ? J'ai plus une molette. Ah, c'est plus une molette ? Billy ! Ah, c'est plus une molette ! J'ai plus une molette ! Ah, c'est plus une molette ! J'ai perdu la pile de... Ah ! Ah ! Par contre... Attends, là, j'arrête tout, et même si tout tremble autour, je... Ah ! Ah ! Bon, bah... Il va ? Je sais plus où aller, pardon. Qu'on t'y reprenne plus ! Bon, si, il y a tout le temps. Qu'on t'y reprenne plus ! Je rejoins la rage. Parce que quand même... Pas déconner, il y a des fessées qui se perdent. Je m'attendais pas à ce que ce soit toi qui la batte. Non mais... t'as fait ça, mais en même temps, incroyable. En même temps, elle a insulté directement le personnage invincible dans la série qui suit Billy et qui résiste alors que sa divinité, c'est littéralement la divinité des 1 milliard de chances contre 1, il gagne si tu veux. Oui. Qu'est-ce qui... Elle est folle. Voilà. C'était perdu d'avance. C'était une évidence. Bon bah ça va essayer. Donc, Niel, en effet, tu t'es enfui, tu as disparu de cette réalité suite à l'agression morale du pyro-barbare. Je suis traumatisé. Et en effet, alors que le... Pour le coup, le traumatisme est réel. Ouais, c'est ça, c'est qu'il va aller en mort. Attends. Et Saras, en effet, alors que tu tends ta main pour essayer d'attraper le parchemin, la grotte a arrêté de trembler, ça a juste fait un à-coup pendant qu'elle a disparu. Tu tends ta main, une autre main se pose sur toi. Je te retourne, et la suite au prochain épisode. Oh. Quel doigt. Alors que pour briser mon amour propre, ça aurait été simple, juste une illusion où tout le monde dit que c'est la paix, il n'y a plus besoin de se battre en fait. Une illusion où il y a juste un village de crânolorniens qui sont en train de construire des choses, oui. Ils sont heureux. Mais elle fonctionnait par les désirs. C'est-à-dire qu'elle te donnait ce que tu voulais, et quand tu revenais à toi, tu perdais tout. Une mort glorieuse. T'imagines ? Une mort glorieuse qui amène devant un duel à Zarkad. Et quand elle me ramène à ça,
C'était un mensonge. Et tu me dis, tu perdais tout. Bah non, je l'aurais, ma mort glorieuse. Je finirais en face des arcades. Non, mais c'est un mensonge, je veux dire. Oui, mais là, elle a parlé mal. On t'a arraché ta réalité, quoi. Enfin, C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement. Est-ce que je suis au paradis des nains? C'est bon, on t'a ramené. Salope, tu m'as ramené. Donc, toutes les gifs qui sont venues derrière avec. Voilà, c'est parti. Donc, c'est d'une logique aussi. Moi, ce que je voulais te proposer, c'est que justement, ça fasse un petit peu des dégâts au mental. C'est-à-dire que ça t'agresse dans les nerfs. Le truc, c'est que les attaque mentale contre le bébé, à part si c'est des dégâts directs. Le truc en fait, c'est que le bébé il est terriblement stable en fait. Alors ça je sais. Ce que je voulais voir, c'est est-ce que tu. En fait, c'est simple, elle t'a pas agressé de la bonne manière. C'est ça, parce qu'en fait, elle m'a énervé. Le désir te donnait rien, elle t'a juste énervé. Elle m'a juste alors énervé, que si elle te mettait dans une illusion où tu servais à rien, dans le désespoir pur. C'est ça, elle aurait mis le bébé face à son daron, mis le bébé face à ses mamans, elle aurait mis le bébé face à un Billy mort, elle aurait mis le bébé face à un Fanta qui lui dit qu'il sert à rien, qu'il le déteste et qu'il n'a pas d'honneur. Elle l'aurait mis face à un Zarkane qui lui dit. Qu'il n'a pas d'honneur et qu'il n'a pas le droit à son duel parce qu'il est mort comme une merde ou qu'il n'a pas protégé mille ou une raison à la con, si tu veux. Ouais, mais lui, là, il aurait été brisé, enterré, il n'y aurait rien en lui à faire, si tu veux. Hein, mais là, elle me promet Disneyland et en fait, elle fait non, Disneyland est fermé. À Hulk. Et Hulk, il se reconnaît, il fait tu cherches. En vrai, tu cherches. Bon, du coup, on va quand même clore cet épisode à un moment. Putain, c'était merveilleux. Je suis désolé, t'étais censé faire quelque chose en Belay. Bah, non. Il pouvait agresser moralement, en fait, justement. Ah. Lui aussi, je lui dis que ses cookies étaient dégueulasses. Mais ça aurait marché. Petit mal élevé. Il a trop parlé, je pouvais rien placer. Mais je sais qu'il parle trop. Mais je sais. Il pouvait pas parler, non. Mais il pouvait couper. Si, il pouvait parler jusqu'à ce qu'il soit complètement Belay. Il faut me couper, Tu sais, en fait, ce sera pas les aventures de Billy, ce sera plus les aventures de Billy et du pyro-barbare, ce sera les aventures du pyro-barbare et de ses compagnons. C'est pas ça, c'est juste qu'il nous met dans des situations. Tu nous as mis face à des situations où finalement sa capacité décisionnelle c'est de choisir quel salon on prend, si tu veux, et face à des problèmes que le bébé peut régler, mais de manière. Voilà. t'as réussi tous tes jets. Les jets sont dégueulasses, je te l'admets. Voilà. En même temps, c'est que des jets face à des situations, une chance sur un milliard. Donc tu cherches aussi. Ouais, mais attends, on reprend la scène juste deux secondes. Je te laissais devant Zarkane et tu croyais que c'était vraiment Zarkane. Précédent épisode, tu m'as demandé un jet qui était d'une simplicité folle, un truc mais nul en plus, je sais plus ce que c'était, mais machin, que j'ai foiré. Oui, le tout début, Évidemment, c'est évidemment que c'est là que tu foires. Ouais, je vais te faire faire plus de jets moins critiques, tu verras. Apprendre à respirer sous l'eau, ça se fait sous l'eau. Alors, donne-moi le temps de l'épisode 3, on en rediscutera. Ça, ça va me détendre. Mais comme d'habitude, j'arrête d'essayer de cramer ton papier, faire si tiens, c'est pour ton histoire. Non, écoute, justement, si vous voulez le cramer, cramez-le. Tu verras ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire, moi, mon scénario, je peux le prendre, regarde, voilà, tu peux le déchirer. C'est terrible. Le but, c'est de passer un bon moment. C'est vrai que c'est incroyable. Par contre, ton costume est incroyable. Ouais, il est insane. Franchement, c'est. Le chevalier qui est passé juste avant qui crevait de chaud, enfin, tout le monde. Mais merci, Maud, pour ton costume. Jouer super. Merci à Yulia qui a conçu ce costume, surtout. Il est fou. Bon, il faut quand même que je le dise. Hein. Donc, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. Suivez-nous sur. Enfin, vous pouvez nous suivre sur Twitch. Je crois qu'on stream absolument tout ce qu'on fait maintenant sur Twitch. Ou sur YouTube, si vous nous regardez sur YouTube. L'épisode 3 sortira quand il sortira. Sur Twitch, dans 15 minutes. Et surtout, il y a ça, quoi. Donc si vous quand la régie mettra le mot papyrus, n'hésitez pas à le dire parce que vous pouvez essayer de gagner ce joli set de c'est beau. Voilà. Moi j'aurais bien voulu le gagner, mais c'est pas moi qui peux gagner. Non, on n'a pas le droit, c'est triché. Ouais, c'est ça, c'est dégueulasse. Waouh. Il y a de la magie de jette-le et tu vois il roule, enfin il y a de Et du coup, il roule, merci à nos Patreons et aussi à nos tipeurs. Je crois qu'on va arrêter là parce que là il faut qu'on abrège. Ça veut dire un épisode même moi qui essaye normalement de caler les trucs, je vais avoir ça arrête pas. Enfin, moi, qu'on me donne une perche pour pousser Bob pour qu'il s'arrête. Tout à fin d'épisode, t'es là, à la fin d'épisode, elle allait vite en même temps. En même temps, t'es venu avec ton bout de bâton, il a fait. Comme ça, vite tu piques comme ça. Allez, fais quelque chose là. Il cherche. Et du coup, un petit mot de la fin. Le code à rentrer pour le code, c'est Papyrus. Papyrus, voilà. Parfait. La régie nous dit Papyrus, si vous voulez essayer. P-A-P-Y-R-U-S. Yes. C'est pas forcément le mot le plus simple. Oui. ça filtrera. Tu vois. Un mot de la fin, Bob. C'est fantastique. Et les cosplays, les costumes sont géniaux, j'adore ça. Du plaisir. Trop bien. Moi, j'ai envie de dire, putain, on se marre.
ça va pas le faire. On est en train de suer à grosses gouttes tellement on rigole. On n'est pas content. Puis on n'est pas encore sorti de la grotte. Et on n'est pas encore sorti de la grotte. Il reste un dernier épisode. Est-ce que le Pyro Barbare sort en vie avec son Billy, ce qui changera de Billy dans l'aventure? Ce que j'adore, moi, c'est de voir le MJ suer constamment en mode. Ouais, quand même, ouais. Putain, j'ai envie de faire douter, il doute pas. Pourquoi il doute pas? Pourquoi il doute pas? Non, c'est pire que ça. T'as le MJ, il est là, putain, mon scénar. Mais t'inquiète pas, le troisième, je le déchire. C'est parti, on est parti. On va délire complet. Allez, des bisous et à dans 15 minutes pour Twitch.